إن العمل المملكة عندها دور أساسي جدا في ميدان طبعا مع التطور في ميدان تحصيل بعض الضرائب, ولكن في ميدان أساسي اللي هو المتعلق بالمحاسبة العمومية, ونحتفل أيضا اليوم أيضا بالمئوية للمحاسبة العمومية. طبعا الذين يعملون بهذه المؤسسة في ربوع المملكة يؤدون خدمات كبيرة جدا للمواطنين, يؤدون خدمات للدولة, ويعني يحافظون أو يساهمون في الحفاظ على الأمن المالي للمملكة. وطبعا هذه الذكرى المئوية هي أيضا لحظة للتأمل فيما تحقق في هذه المؤسسة, ولكن أيضا تأمل والتفكير في مزيد من عصرنتها, في مزيد من فعاليتها, في مزيد من طبعا تقوية هذه الأدوار التي تلعب هذه أو تقوم بهذه المؤسسة. Bonjour tout le monde, monsieur le ministre, monsieur le professeur Michel Bouvier, monsieur Prada, monsieur le directeur général du Bali du Maghreb, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Permettez-moi, avec la permission de monsieur le ministre, nous procédons aujourd'hui à la commémoration d'un double centenaire, celui de la trésorerie générale du royaume, créée le 27 juin 1916. Et celui de la comptabilité publique, mis en place le 9 juin 1917. Donc cette commémoration est célébrée à travers un certain nombre de manifestations, notamment l'édition d'un timbre et d'une médaille confectionnée pour l'occasion, l'organisation d'une journée scientifique, la création d'un musée de la trésorerie générale du royaume que M. le ministre vient d'inaugurer et visiter, l'édition d'un numéro spécial de la revue Al-Khazina, qui vous a été remis dans vos cahiers, dans vos cartables, et des expositions de livres et des photos sur l'histoire de l'institution. Cette manifestation dénote de l'enracinement dans le temps de la trésorerie générale du royaume et de la profondeur historique de la comptabilité publique, ainsi que de leur rôle central dans l'édifice institutionnel de notre pays. Elle permettra aux générations présentes et futures de connaître l'histoire profonde et le rôle majeur que le trésor public assume à travers les âges, sous sa forme moderne, incarnée par la trésorerie générale du royaume ou dans le cadre du prolongement de l'institution de Beit el-Mal, telle qu'elle a toujours existé durant toute notre histoire. L'objectif ultime d'une telle entreprise est de tisser des liens avec notre passé glorieux pour mieux gérer le présent de nos finances publiques et en préparer sereinement l'avenir. Donc, si vous le permettez, Monsieur le ministre va procéder à l'inauguration en dévoilant le timbre avec Monsieur le directeur général de Banque de Bali de Maghreb. C'était pas. Je m'excuse, je suis un peu pressé, je dois partir, mais je dois quand même juste vous féliciter, vous souhaiter joyeux anniversaire. Un centenaire, ça se fête dignement, bien sûr. Centenaire, ça interpelle aussi. 100 ans d'histoire, c'est pas facile à assumer toujours, mais c'est aussi un moment pour se projeter dans l'avenir. Je demande, monsieur le trésorier général du royaume, ainsi que l'ensemble des militants, fonctionnaires qui travaillent dans cette belle institution, bien entendu, de continuer à faire ce que vous devez faire, assumer vos responsabilités, mais également à se projeter dans l'avenir, à essayer de réfléchir collectivement, toujours dans le rôle qui est assigné donc à cette institution, mais comment faire plus et mieux. Bien sûr, veiller à la tradition, c'est clair, mais comment faire plus et mieux, comment améliorer au quotidien
dans le cadre, encore une fois, des missions et des attributions de la Trésorerie Générale, améliorer la qualité de notre travail, s'organiser mieux, être dans le... Être centenaire ne veut pas dire être passéiste. Être centenaire, c'est aussi être dans l'air du temps. Comment profiter de tout ce changement qui aujourd'hui est opéré dans le monde, hein, ce saut technologique pour davantage, disons, être la cristallisation de ce qu'est le Maroc. Tout en étant authentique, il est aussi en phase avec son temps, il est moderne. Et justement, là, je pense que la Trésorerie Générale peut être l'illustration de ce Maroc, de ce royaume millénaire qui, bien sûr, sauvegarde ce qui est essentiel dans son histoire, mais également qui se projette dans son avenir, essaye de tirer des opportunités qu'il lui offre à travers le monde. Merci beaucoup et bon courage. Je constate que c'est un emprunt obligataire en Espagne. En fonds pesetas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le taux en 1910 est de 5%. Il n'a pas beaucoup changé depuis.
Bien, mesdames et messieurs, cher Michel, donc comme je vous prie de bien excuser, le ministre avait une contrainte professionnelle à très haut niveau et donc il n'a pas pu rester pour faire son discours. Et donc j'aurai la charge de faire deux discours, celui du ministre et le mien. Donc si vous le permettez, monsieur le président de Fondafip, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être aujourd'hui parmi vous pour l'ouverture de cette demi-journée d'études et d'échanges sur une thématique aussi importante que celle de la trésorerie générale du Royaume et de la comptabilité publique d'hier à aujourd'hui. Je voudrais à ce titre souligner que la trésorerie générale du Royaume et Fondafip nous ont habitués depuis plusieurs années déjà à nous réunir dans le cadre des colloques annuels et des séminaires infra-annuels autour des thèmes de grande actualité pour les finances publiques. Et nous reviennent cette fois-ci, et pas comme à l'accoutumée, avec une approche tout aussi importante, sinon plus novatrice, pour nous plonger à travers une vision rétrospective et historique sur le substrat mémoriel qui fonde l'évolution à travers les âges de nos finances publiques. Une vision d'autant plus novatrice qu'elle est placée sous le signe de la commémoration de deux centenaires en un. En l'occurrence, le centenaire de la Trésorerie générale du Royaume et le centenaire de la comptabilité publique. Qu'ils en soient donc chaleureusement remerciés. Pour revenir au centenaire de la Trésorerie générale du Royaume, je dirais qu'il est des institutions dont l'histoire et la destinée sont intimement liées à l'évolution de l'État, qu'il n'est pas toujours aisé d'en appréhender la genèse de l'un indépendamment de l'autre. C'est justement le cas pour la Trésorerie générale du Royaume, dont le parcours historique est consubstantiel à celui de l'institution étatique. Ainsi, et du haut de ses 100 années d'existence en tant que telle, la Trésorerie générale du Royaume n'a cessé, au travers des différentes fonctions qu'elle assume, de répondre à sa vocation première d'institution au service de l'ordre public financier qu'elle a toujours veillé à préserver par-delà les caprices et les vicissitudes de l'histoire. Elle constitue, de par les missions qui lui étaient conférées à travers les âges, un prolongement historique du trésor public, ou Beit el-Mal, tel qu'il a toujours existé à travers les siècles, sans rupture et sans discontinuité aucune, mais avec une réciprocité, une interaction dynamique et indéfectible à l'origine de son renouvellement constant et de son adaptation permanente aux évolutions de l'environnement ambiant. C'est dire si besoin est le profond enracinement historique de l'institution, sa vitalité à tous les temps et à toutes les époques, sa centralité et sa nodalité dans l'édifice institutionnel national et sa capacité à intégrer tout azimut les valeurs du passé et les attributs de la modernité, comme l'a dit M. le ministre. Un centenaire pour l'institution est donc une aubaine pour nous tous, en vue d'éclairer d'un nouveau jour quelques pans d'une administration dont les activités ont constitué de par l'histoire le fondement intangible de l'art de gérer des deniers publics, de les conserver, de les faire prospérer et d'en tenir régulièrement les comptes. C'est d'ailleurs la restitution dans le temps des relents et des ressorts historiques du trésor public qui nous permettent de connaître comment les savoirs et les savoir-faire financiers et comptables se sont forgés et développés à travers les siècles pour une institution où la rigueur est de règle. L'institution du trésor public a été et demeure encore une organisation de la plus haute importance pour les finances publiques, à telle enseigne que déjà en 1797, Lord Lansdowne comparait l'administration à un corps dont la trésorerie était le cœur. Il s'écriait, je cite, « C'est de là que doit jaillir le fluide nourricier qui alimente toutes les autres parties. » Fin de citation. Pour ce qui est du centenaire de la comptabilité publique,
Je ne saurais trop insister sur la place de choix que doivent de plus en plus occuper les comptes publics comme outil majeur de production, de communication et de valorisation de l'information financière et comptable vis-à-vis des citoyens, des parlementaires, de la Cour des comptes, de la société civile et des organismes financiers internationaux et des agents de notation ou des agences de notation. Pour cela, eu égard à la profondeur historique, là aussi des principes et des règles de comptabilité publique, il est nécessaire et utile de jeter les passerelles avec le passé, récent et lointain, à l'effet de bien tracer le devenir de nos comptes publics. Le hasard fait d'ailleurs bien les choses, puisque le centenaire de la comptabilité publique coïncide quasiment avec la mise en place par notre pays d'une nouvelle comptabilité de l'État, fondée sur les droits constatés, avec une forte valeur ajoutée patrimoniale à compter du 1er janvier 2018, conformément à la loi organique relative à la loi de finances. Ainsi, le bilan de l'État correspondra désormais au bilan de sa richesse réelle, intégrant droits, obligations et patrimoine, au lieu que ce soit un bilan des seules disponibilités pécuniaires dégagées à partir de la comptabilité actuelle à base caisse. En définitive, mesdames et messieurs, un centenaire pour la trésorerie générale du Royaume et un centenaire pour la comptabilité publique nous offre une occasion beaucoup plus élargie pour revisiter avec un œil rétrospectif la mémoire de notre histoire financière et mettre au grand jour l'échafaudage, parce qu'il s'agit effectivement d'échafaudage, que nos prédécesseurs avaient pu élever avec tant de labeur et de peine. L'objectif ultime d'une telle entreprise est de retisser les liens entre le passé et le présent pour en édifier sereinement l'avenir. Car comme l'a souligné Sa Majesté le Roi dans son discours du 20 août 2004, je cite, « Être marocain signifie à la fois l'attachement aux constantes de l'identité marocaine unifiée, riche par ses multiples affluents, et le partage des valeurs et des aspirations communes de la nation, d'une part, et d'autre part, l'interaction féconde et positive avec les nouveautés de la civilisation contemporaine et l'adhésion de la société du savoir et de la communication. » Mesdames et messieurs, je vous remercie. Maintenant, vous allez devoir me supporter encore une deuxième fois, mais je vais changer, je vais me mettre debout pour changer un peu de cadre. Monsieur le Président, cher Michel, mesdames et messieurs, la Trésorerie générale fête aujourd'hui ses 100 ans. D'aucuns pourraient croire que la gestion des finances publiques et l'institution du trésor public au Maroc n'ont qu'un siècle d'existence. Historiquement, le Maroc a toujours disposé d'un système de gestion financière publique et d'un trésor public. Dans le musée de la Trésorerie générale du Royaume retrace la richesse que je vous invite à visiter. Le contrôle des finances publiques faisait partie intégrante des préoccupations du sultan. On le sait, l'organisation financière doit toujours aller de pair avec l'organisation politique, c'est-à-dire qu'elle doit suivre de très près les progrès de l'organisation politique pour les consolider. En terre d'islam, et selon Ibn Khaldoun, l'administration financière de l'État trouve son origine avec le calife Omar ibn al-Khattab, qui créa en l'année 636 le premier diwan financier. Le diwan financier a pour mission de tenir des registres comptables dédiés à retracer les opérations de recettes et de dépenses et d'en assurer la traçabilité. Pour Ibn Khaldoun, le diwan financier constituait le troisième pilier du pouvoir, car le pouvoir sultanien exigeait une armée, de l'argent et un moyen de communiquer. Il disait, je cite, « Le prince
avait donc besoin de personnes capables de l'aider dans les affaires d'épée, de plumes et d'argent. Le chef du Diwan prenait donc, pour cette raison, une part importante dans l'administration du royaume. La gestion des finances de l'État était généralement confiée à des oumanas, dont le premier, Amin al-Kharaj, a été nommé en l'an 714 par le calife Omeyyad Sulayman ibn Abd al-Malik. La gestion des finances de l'État s'était enrichie par les apports substantiels des différentes dynasties qui ont régné au Maroc, notamment les Idrissides, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, les Ouattassides, les Saadiens et les Alaouites. Avant le protectorat, les oumanas assuraient, dans le cadre d'un maillage local étendu, le recouvrement des recettes, l'exécution des dépenses, la tenue de la comptabilité et le contrôle des opérations financières publiques. L'augmentation des opérations exécutées par les oumanas a rendu nécessaire la réorganisation de ce corps de comptables publics en une administration centrale et un réseau de comptables locaux. Rien n'a changé par rapport à aujourd'hui, quelque part. Les oumanas étaient nommés par le sultan sur proposition de l'amin des oumanas, l'équivalent du ministre des Finances. Ce dernier était assisté par trois amines au niveau central, un amine chargé de la perception des recettes, amin ou dakhl, un amine pour le paiement des dépenses, amin sayr, et un amine qui avait en charge la tenue des comptes et le contrôle de la comptabilité des oumanas locaux, amin al-hisab. Il faisait également office de cour des comptes. L'organisation des corps des oumanas était très évoluée et ne s'éloignait pas trop du système en vigueur de nos jours. Cette organisation s'articulait autour de la tenue de la comptabilité. Dès sa nomination, un amin procédait à l'ouverture d'un registre comptable où sont retracées les opérations qu'il exécute durant la période d'exercice de ses fonctions. La centralisation comptable, chaque amin au niveau central était chargé de centraliser les opérations exécutées par les oumanas locaux. Ces derniers étaient tenus d'envoyer à l'amin des comptes un état hebdomadaire des recettes et de communiquer le compte détaillé du mois écoulé dans les 7 jours qui suivent la fin du mois. Le contrôle de la comptabilité et le jugement des comptes, l'amin des comptes procéder au contrôle de la comptabilité transmise par les oumanas. De même, avant de quitter leurs fonctions, les oumanas présentaient leur compte général de gestion au sultan qui le soumettait à l'amin des comptes aux fins de contrôle, d'apurement et de délivrance d'une décharge. La remise des services, le changement pour quelque raison que ce soit, les oumanas procédaient à une remise de services entre eux, l'amin sortant met à la disposition de l'amin entrant les registres retraçant les opérations réalisées, procède à l'arrêté des fonds disponibles et lui remet la liste des biens dont la gestion lui incombe. La centralisation des comptes, portée sur un grand livre, tenu constamment à jour, permettait de présenter le bilan du gouvernement chérifien en droit et avoir. Vous voyez qu'il y a une grande similitude par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. En effet, l'amin des oumanas avait une parfaite connaissance de la situation financière de l'État pour ce qui est des recettes, des dépenses et des biens mobiliers et immobiliers. Je ne vous cache pas que nous sommes dans la même situation aujourd'hui. On connaît tout du fonctionnement de l'État et toutes les décisions qui sont prises et toutes les politiques publiques sont traduites par des actes de gestion au quotidien avec le contrôle des trésoriers, soit ministériels ou préfectoraux. Mesdames et messieurs, ce système de gestion financière et comptable a connu des changements du fait des contraintes liées au recours du Maroc à la fin du 19e siècle et au début du 20e à des emprunts auprès des pays européens qui l'ont obligé à réformer progressivement son système de gestion des finances de l'État en s'inspirant notamment du système français. Suite à la conférence internationale d'Algésiras, la Banque d'État du Maroc a été créée en 1907
avec pour principale fonction notamment de jouer les rôles de trésorier payeur et d'agent financier du gouvernement. De ce fait, la Banque d'État du Maroc a exercé les fonctions de trésorier payeur de 1907 à 1916. Le 27 juin 1916, la fonction du trésorier général a été créée. Le trésorier général fut chargé notamment de centraliser les opérations de recettes et de dépenses de l'État, d'assurer le paiement des dépenses publiques et la gestion des mouvements de fonds. Il importe de préciser que l'histoire des finances publiques au Maroc en général et de la trésorerie générale en particulier a été jalonnée d'événements majeurs qui ont participé à la construction du système actuel de gestion financière publique. Ainsi, cette gestion a été complètement restructurée et modernisée à partir de l'adoption du DAIR du 9 juin 1917, portant règlement de la comptabilité publique de l'Empire chérifien qui a notamment confié le pouvoir financier au comptable du Trésor, rendu responsable personnellement et pécuniairement de toutes les opérations financières exécutées par leurs soins. Outre la comptabilité publique, le DAIR de 1917 a intégré, entre autres, des dispositions relatives à la gestion du budget, au règlement des marchés publics, au recouvrement des revenus de l'État et même à la nomenclature des pièces justificatives de dépenses. L'année 1921 a vu la création du contrôle des engagements de dépenses qui a d'abord été testé au Maroc avant d'être mis en place en France en 1922. En 1958, la gestion financière publique a été réorganisée par l'adoption du DAIR du 6 août 1958, portant règlement général de comptabilité publique dont la portée se limitait exclusivement aux seules règles de comptabilité publique. Mesdames et messieurs, nous arrivons au 1er octobre 1961, où feu Mohamed Barnossi, dont je salue la présence de ses héritiers ici avec nous, dans cette salle, fut la première personnalité marocaine à être nommé trésorier général du royaume. Et à ce titre, il avait œuvré à la création de l'agence comptable centrale des chancelleries diplomatiques et consulaires. Comme vous le savez, nous sommes implantés un peu partout parce que nous gérons les ambassades et le consulat à travers le monde. Et donc, c'est lui qui a été à l'origine de la création de cette agence. Et puis, en même temps, à l'adoption du décret royal du 26 avril 1967, portant règlement général de la comptabilité publique et qui est toujours en vigueur. En 1979, la Cour des comptes a été créée en remplacement de l'ex-Commission nationale des comptes. En 1993, la direction de la rémunération et du paiement des pensions, c'est-à-dire tout ce personnel civil et militaire au niveau local et au niveau national, a été rattachée à la trésorerie générale du royaume. En 2006, le contrôle des engagements et des dépenses a fusionné avec la trésorerie générale du royaume, ce qui a permis de simplifier les procédures de contrôle et de rassembler au niveau d'un seul poste comptable les contrôles de régularité et de validité des dépenses de l'État. Enfin, l'année 2007 a vu la création de manière progressive des trésoreries ministérielles pour répondre aux attentes des ordonnateurs et faciliter les opérations de dépenses de l'État. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, à travers cette évolution historique, la Trésorerie générale du Royaume a accumulé un savoir-faire et une expertise financière et comptable qui font d'elle une institution stratégique de l'État. Ses missions se fondent sur l'utilisation de la comptabilité aux fins d'un meilleur conseil et d'une assistance de proximité aux différents partenaires en charge de l'exécution budgétaire, aussi bien au niveau de l'État que celui des collectivités territoriales. L'objectif in fine est d'accompagner notamment le processus de régionalisation avancé
qui consolide la démocratie locale. À cet effet, la trésorerie générale du royaume a contribué largement à l'élaboration du dispositif financier local, notamment le dernier projet de décret relatif à la comptabilité publique des collectivités territoriales. En deuxième plan, la production, la valorisation et la communication de l'information financière et comptable comme socle d'appui au renforcement des principes constitutionnels de transparence, de responsabilité, de reddition des comptes et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Troisièmement, le recours à la digitalisation et à la dématérialisation en vue de la modernisation, la simplification et la facilitation des services rendus aux citoyens et aux partenaires. Cette approche s'appuie sur les systèmes d'information intégrés développés par la Trésorerie générale du Royaume, à savoir le système de gestion intégrée des dépenses, de gestion intégrée des recettes, le système Wadef Ojor pour la paye du personnel, le système de dématérialisation des marchés publics et le système de l'information de la comptabilité. Enfin, l'exploitation, c'est un peu l'avenir, des potentialités du big data et l'adoption d'une démarche data-driven pour une meilleure compréhension des comportements des partenaires et des citoyens. À travers, par exemple, l'étude du comportement des ordonnateurs par rapport à la programmation budgétaire, à la mobilisation des ressources et à l'utilisation des crédits pour anticiper un peu comment ces partenaires agissent et réagissent. L'analyse du comportement des acheteurs publics et des opérateurs économiques à travers la commande publique. Ou encore, pour ne citer que cet exemple, l'analyse des comportements des fonctionnaires par rapport à leur recours aux crédits de consommation et d'investissement. Cette analyse participe sans aucun doute à une connaissance fine de l'épargne des fonctionnaires. Cette volonté permanente d'aller vers plus d'innovation et de performance ne saurait être satisfaite sans le capital humain dont dispose la Trésorerie générale du Royaume. En plus des systèmes d'information que je viens de présenter, qu'elle a développé, la force de frappe de la Trésorerie générale du Royaume provient de tout l'investissement qu'elle a opéré ces dernières années dans ses ressources humaines, dans des ressources humaines professionnelles, bien formées et motivées. Elle constitue sa fierté et participe positivement à une meilleure gouvernance des finances publiques. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, cher Nourdine, c'est un véritable honneur qui nous est fait, je veux dire, à Fondafip, de participer à cette commémoration du centenaire de la TGR, car c'est véritablement une chose d'importance, et d'importance pour, bien entendu, la TGR et chacun et chacune d'entre vous, mais d'importance également pour le Maroc, car je crois que la TGR fait preuve depuis tant d'années d'un professionnalisme et fait preuve également de son utilité première. C'est une fonction essentielle qui est la sienne pour le Maroc. Donc merci infiniment, merci beaucoup de nous avoir associés à cette manifestation. Je voudrais aussi remercier des deux intervenants français qui ont bien voulu accepter de participer à cette manifestation. Je veux dire Monsieur Guichetot, qui est le président de l'Association française de cautionnement mutuel, et Michel Prada, qui est le président du Conseil de normalisation des normes comptables publiques, qui sont deux institutions très importante en France, et deux personnalités
que j'estime beaucoup à divers titres. Donc merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui, malgré vos occupations qui sont très nombreuses. Alors, je voudrais dire tout de suite que aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années d'ailleurs, les réformes des institutions financières publiques, budgétaires, comptables, se dessinent et je dirais même se décident au niveau, en grande partie en tout cas, au niveau à l'échelon planétaire. Et cela au sein d'un monde qui change, au sein d'un monde dont le modèle économique, mais aussi le modèle politique, sont en pleine mutation, sont en pleine transformation. Nous sommes, vous le savez, dans un monde en transition et la comptabilité publique fait également partie de ce monde en transition. Donc par conséquent, un monde en transition qui, vous le savez également, l'est depuis les crises qui ont été engendrées initialement par les deux chocs pétroliers de 1970, c'est-à-dire 73 et 79. Et vous le savez aussi, c'est alors que s'est imposée peu à peu l'idée que le secteur public devait adopter un mode de gestion proche de celui de l'entreprise. Et donc, il en est logiquement résulté l'introduction, c'était inéluctable, d'une comptabilité d'exercice, d'une comptabilité à l'image de celle d'une entreprise, avec évidemment, vous le savez aussi, un certain nombre d'adaptations, et même d'ailleurs d'une comptabilité analytique. Et c'est dans ce cadre, je crois, que l'on doit comprendre les mutations que connaît la comptabilité publique. La comptabilité publique ne se résume plus, comme c'était le cas autrefois, à des fonctions de contrôle, de régularité. Elle épouse les principes de la logique et les comptables privés. Et le métier de comptable public est maintenant un métier qui participe de la gestion, je dirais de la bonne gestion des institutions publiques. Il faut aussi souligner que cette évolution ne relève pas de simples aménagements techniques. En effet, les normes et les dispositifs comptables traduisent une conception générale de l'organisation d'une société. Autrement dit, la comptabilité est loin d'être un simple jeu de construction. Elle est un langage. Et comme tout langage, eh bien, elle véhicule certaines valeurs. Il en résulte que l'élaboration d'un système comptable ne peut consister à simplement bâtir une architecture relevant d'une logique formelle. Elle est inséparable de sa confrontation avec le champ plein d'aléas, plein d'incertitudes, qui est celui de la dynamique des sociétés contemporaines. Il est donc crucial d'évaluer les conséquences économiques, sociales, politiques des normes envisagées. Et pour ce faire, il est en premier lieu indispensable de garder à l'esprit qu'aujourd'hui, la réforme de la comptabilité publique est un impératif de la mondialisation. En effet, dans un monde globalisé comme le nôtre, il est nécessaire que les États adoptent des standards pour que des comparaisons soient possibles et qu'il soit également possible, notamment pour les investisseurs ou encore pour les prêteurs, de se fier aux informations et aux résultats fournis en toute confiance. Si l'on observe attentivement
les réformes budgétaires et les réformes comptables, les évolutions se sont faites dans le sens d'abord d'une standardisation budgétaire, puis ensuite vers une standardisation comptable. Ce sont les normes budgétaires. Sous l'influence des organisations internationales, notamment le FMI, qui ont été concernées dans un premier temps, ce qui a conduit beaucoup d'États à s'engager dans la mise en place d'une nomenclature construite sur la base de programmes, comme c'est le cas, vous le savez bien, au Maroc avec votre LOF. Ce sont des budgets de programme qui, dans de nombreux pays, pas dans tous les pays du monde, mais dans de très nombreux pays dans le monde, se sont substitués aux classiques budgets de moyens. Ce fut ensuite autour des normes comptables publiques, et en particulier celles de la comptabilité générale, de faire l'objet de discussions, de propositions, tournées vers l'implantation de comptabilité en droit constaté. Il s'agit pour la France d'une question déjà ancienne et en partie résolue puisque dès 1954, les communes en France ont pratiqué une comptabilité inspirée à l'époque du plan comptable des entreprises de 1947. Ensuite, les collectivités locales ont suivi les nouveaux plans comptables, 57, etc., qui se sont succédés. Alors, il faut toutefois souligner que l'on a affaire à une situation, néanmoins, à une situation internationale variée. En effet, comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport, dans un rapport de février 2016, la mise en place d'une comptabilité en droit constaté par les États en Europe est très contrastée. Si certains pays, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, ont adopté un tel mode d'enregistrement très tôt, dès les années 1990, d'autres demeurent à l'écart, par exemple l'Irlande. Il ressort également d'une étude réalisée en 2014 pour le compte de l'Union européenne que la maturité comptable, autrement dit la fiabilité des comptes, est très variable selon les États. Et la France figure dans les pays à haute maturité, aux côtés de la Suède ou du Royaume-Uni. Et cela à la fois pour l'État central, mais également pour les collectivités locales. En revanche, la maturité comptable, évaluée au niveau de l'État central de l'Allemagne, de l'Italie, même du Luxembourg, des Pays-Bas, est considérée comme basse. Celle de la Belgique, de la Hongrie ou de la Pologne est jugée comme moyenne. Quant à la budgétisation, en droit constaté, elle demeure très, très minoritaire, car elle est souvent considérée comme coûteuse et beaucoup trop complexe, trop compliquée à mettre en œuvre. Il est un fait qu'avec la mise en place d'une comptabilité d'exercice, l'on assiste à une inéluctable entrée dans la complexité. En effet, avec l'introduction en comptabilité publique de normes adaptées de la comptabilité privée, le secteur public est inéluctablement conduit à surmonter un certain nombre d'obstacles. Ces derniers sont pour les uns liés à la nature de l'État et aux transformations du secteur public. Pour les autres, à la mise en place simplement de techniques comptables nouvelles. Et la nature avant tout politique de l'État fait que son fondement et son fonctionnement n'entrent pas aisément dans une logique comptable de type privé, comportant comme point d'orgue un bilan,
dont les éléments d'actifs et de passifs sont souvent d'une autre nature que les siens. L'on est par conséquent conduit à distinguer l'institution spécifiquement politique et l'institution administrative, autrement dit à définir ce qu'est le secteur public au regard de sa comptabilité. Or, définir le secteur public constitue aujourd'hui une question particulièrement compliquée dans un monde qui, je l'ai dit, depuis une quarantaine d'années, change de paradigme et change notamment de paradigme au regard de la séparation publique-privée. Alors, certes, en Europe, le SEC 2010 propose une définition selon laquelle ce secteur public est constitué par les institutions contrôlées par les administrations publiques, les entreprises étant marchandes, étant exclues. Mais on le sait également, cette définition demeure encore très fragile. Par ailleurs, la complexité est tout aussi grande en ce qui concerne la manière de restituer une image sincère de l'ensemble des comptes publics. Comme nous y invite l'Union européenne, ensemble des comptes publics, c'est-à-dire État, collectivités locales et sécurité sociale. Outre la consolidation des comptes, l'évolution vers une comptabilité budgétaire en droit constaté, la prise en considération du hors-bilan ou la mise en place d'une comptabilité analytique sont autant de sujets qui constituent aussi des suites logiques à la mise en place d'une comptabilité générale inspirée des normes IPSAS, des normes internationales. Au final, ces normes IPSAS, vous le savez, sont des normes très proches des normes IFRS. Plus encore, cette évolution conduira nécessairement à être de plus en plus confrontée aux incertitudes des concepts de la comptabilité privée résultant des aléas du marché. Je pense ici, par exemple, à l'évaluation des immobilisations au juste prix. Alors, en second lieu, il faut souligner que l'on assiste, je crois, à un réel quiproquo en ce qui concerne les normes internationales de comptabilité publique. Ce quiproquo concerne les modalités de décision des normes comptables internationales et les conséquences de leur mise en œuvre. La raison en est qu'en toile de fond, deux logiques sont en présence, une logique politique et une logique gestionnaire, qui correspondent, chacune d'entre elles, à deux types de légitimité. En effet, un regard attentif sur les évolutions contemporaines des systèmes financiers publics montre que s'est développé, sur fond de mondialisation, un rapport ambigu entre les décideurs politiques et les experts en gestion financière. Un rapport ambigu qui pourrait avoir des conséquences sur l'évolution future de nos États et sur l'évolution future de la démocratie. Cette situation pose une question essentielle, majeure, celle de la légitimité des institutions créatrices de normes. Deux types de légitimité sont en présence, celle du politique d'une part et celle de l'expert d'autre part. Et il en est ainsi dans la mesure où, depuis plusieurs années, on assiste à l'essor d'une production de normes financières au niveau international par des organismes internationaux extérieurs aux États et composés exclusivement
d'experts. En ce qui concerne la comptabilité publique, l'Ipsos Board est l'un des principaux acteurs en ce domaine. Mais dans l'Union européenne, Eurostat s'est aussi vu confier une mission sur le sujet. En effet, les normes comptables Ipsas, celles produites par l'Ipsas Board, qui inspirent la normalisation comptable de 17 États européens, sont très proches de celles applicables, je l'ai dit, au secteur privé. On l'a dit également, et leur mise en œuvre pose problème à certains de ces États. C'est pourquoi la Commission s'en est inquiétée et a transmis un rapport au Conseil et au Parlement européen, publié le 6 mars 2013. Ce rapport propose l'élaboration de normes comptables pour le secteur public. En partie, ces normes comptables inspirées des normes IPSAS, mais harmonisées au niveau européen et qualifiées de normes EPSAS. Alors, un tel projet soulève d'importantes difficultés, auxquelles est d'ailleurs confronté le Conseil national de normalisation des comptes publics que préside M. Michel Prada en France. Un travail de ce Conseil, nous l'appelons le CNOCP, un travail remarquable de définition des cadres conceptuels des comptes publics. Ce qui n'est pas simple, dans la mesure où s'entremêlent en effet des éléments tout à la fois politiques, juridiques et techniques. Aussi, il est fort probable que ce n'est que très progressivement qu'une harmonisation, si elle se fait, pourra se faire. Et d'une certaine manière, tout ceci est de toute façon positif, car l'enjeu est d'importance. En effet, je l'ai dit au début de mon propos, le choix des normes comptables publiques relève d'un véritable enjeu de société. Ces normes comptables reflètent une conception de l'organisation d'une société et la mise en place d'une comptabilité publique qui serait en adéquation totale avec les normes IPSAS remettrait brutalement en question pour beaucoup d'États, pas tous, des institutions construites au fil des siècles et donc des équilibres de tous ordres. Ainsi, comme on l'a dit, derrière les questions relatives aux techniques comptables, c'est bien un choix politique qui est sous-jacent. Les propos tenus par le premier président de la Cour des comptes française, Didier Migaud, lors de son audition au Sénat, le 22 mai 2012, nous paraissent aller tout à fait dans ce sens, lorsqu'il estimait, parlant des normes IPSAS, qu'il était, je le cite, « de son devoir d'alerter la représentation nationale sur un sujet dont les implications sont autant politiques que techniques. » Et, ajoutait-il, « je souhaiterais que les responsables politiques ne se réveillent pas trop tard. » Alors, il est un fait que, sans un regard attentif, une telle problématique peut très vite se voir submergée par la technique comptable et finalement passer totalement inaperçue, ce qui serait, vous l'avez compris, profondément regrettable pour l'avenir de nos sociétés, car, je le répète, c'est un problème de société dont nous traitons aujourd'hui. Merci infiniment. Merci, professeur Michel Bouvier. Donc, si vous le voulez bien, on va faire une pause café pour reprendre dans un quart d'heure. Merci. Thank you.
Mesdames, Messieurs, chers amis de la TGR et des autres ministères du Maroc, je voudrais tout d'abord dire l'honneur que je ressens de participer en votre compagnie à cette commémoration qui a brillamment débuté par les interventions précédentes. Je voudrais remercier très chaleureusement, bien sûr, Nordine Bensouda et toute son équipe. Pas les citer tous, M. Bouazaoui, M. Akbar, Mme Lahiriri, toute l'équipe de la TGR qui participe à nos côtés à cette entreprise, j'allais dire formidable, que nous vivons depuis 10 ans, grâce à vous et grâce à tous ceux qui nous suivent. Permettez-moi de saluer la présence dans cette salle de M. Walalou, ancien ministre des Finances, ancien maire de Rabat, qui nous a fait l'amitié de venir honorer de sa présence cette manifestation, et je salue également la présence de Mme Zaboul, Fouzia Zaboul, directrice du Trésor, qui nous fait chaque fois l'amitié de prêter attention à ce que nous faisons et qui a rejoint le partenariat de Fondafip, puisque la direction du Trésor du Maroc fait désormais partie de nos partenaires, et nous nous en réjouissons. Je voudrais saluer également la présence dans cette salle d'une représentante de la direction de la comptabilité publique de Tunisie, Mme Guedich, directrice de la coopération internationale. Et je dois dire que nous nous réjouissons, la TGR et Fondafip, de cette sorte d'international de la comptabilité publique et des finances publiques. Le sentiment d'appartenance aux finances publiques réunit un grand nombre de personnes au-delà des frontières. Fondafip et la TGR participent à ce sentiment de renforcement d'identité, et je crois que c'est une très bonne chose. Je voudrais enfin dire, je regardais les images tout à l'heure, et nous avons vu défiler Tanger, Beni Mellal, Fès, grâce à la visioconférence. Nous sommes ici dans une entreprise de commémoration qui est à la fois destinée à saluer le passé et rappeler honorer la mémoire de tous ceux qui ont participé à cette naissance de la Trésorerie Générale du Royaume et au développement de la comptabilité publique. Je regardais non sans émotion votre musée auquel a participé brillamment M. Guiry, qui est de la TGR, qui est un des artisans de ce musée. Et je suis originaire du sud-ouest de la France, plus exactement ma famille est du Gers, mais j'ai vécu dans les Landes. Et ce n'est pas sans émotion que j'ai vu sur un registre de cette époque, des années du début de la TGR, le nom de personnes qui étaient des Landes, qui ont travaillé dans la comptabilité publique du Maroc. Donc nous sommes tournés vers la commémoration du passé, mais nous sommes tournés également vers l'avenir. Et c'est l'originalité et la richesse de cette réflexion. Ces deux aspects, tradition et modernité, qu'avait d'ailleurs annoncé très bien Monsieur le ministre Boussaïd,
ont été illustrées par les deux intervenants précédents, Nourdine Bensouda, qui a brillamment rappelé que la comptabilité publique et la TGR prend ses racines beaucoup plus loin dans l'histoire millénaire du Maroc, et qui également a opéré le saut qu'il fallait en rappelant que la comptabilité publique traverse des mutations importantes avec la digitalisation. Michel Bouvier lui-même nous a plongé dans une réflexion de prospective à travers sa thématique de la société en transition que nous vivons. Et c'est cette réflexion, ces allées et venues entre hier et aujourd'hui que nous allons approfondir à cette table ronde qui nous réunit. Nous aurons deux grands témoins que je remercie très vivement pour leur présence. Monsieur Michel Prada, qui a déjà été présenté, qu'en France on ne présente pas parce que c'est une grande figure des finances publiques contemporaines. Monsieur Michel Prada, inspecteur général des finances honoraires, qui est le président du Conseil de normalisation des comptes publics. Donc il va nous parler de la spécificité des normes de comptabilité publique, sujet qui a déjà été amorcé par Michel Bouvier, mais vous allez poursuivre brillamment, j'en suis sûr d'avance. Et enfin, Monsieur Abdelaziz Talbi, expert comptable, va lui nous parler de la comptabilité privée, et nous pourrons comparer s'il y a des jonctions qui s'établissent ou si au contraire des divergences fortes qui demeurent. Ensuite, une fois que nous aurons été éclairés par ces deux comparaisons, je donnerai successivement la parole aux autres intervenants que je remercie très vivement et qui chacun va nous donner un éclairage qui nous permettra de sortir de cette matinée plus riche, c'est le cas dans un sujet de comptabilité publique, on parle d'argent, donc plus riche intellectuellement en tout cas, que lorsque nous y sommes rentrés. Donc je vais passer immédiatement la parole à Monsieur Prada. J'ai oublié de dire que le temps qui nous est imparti permet à chacun de disposer d'environ 15 à 20 minutes. Merci beaucoup, Madame le professeur, Madame la Présidente. Monsieur le Trésorier général du Royaume, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, je voudrais d'abord dire que c'est pour moi un grand honneur, mais surtout un réel plaisir de participer à ce colloque du centenaire de la Trésorerie générale du Royaume du Maroc. Je garde le meilleur souvenir de mes relations avec l'administration de la comptabilité publique marocaine qui remonte, malgré mon grand âge et sans aller jusqu'au siècle, à quelques 35 années lorsque j'étais directeur de la comptabilité publique en France et qui ont été épisodiquement ranimées depuis lors de diverses rencontres. Le CNOCP, le Conseil de normalisation des comptes publics, a d'ailleurs participé à certains événements organisés ici à Rabat aux côtés de l'Inspection générale des finances ou de l'Association internationale des services du Trésor. Et je suis donc particulièrement reconnaissant à Fondafip et au professeur Bouvier de m'avoir invité à participer à vos travaux en une circonstance aussi prestigieuse. Je dois dire que Michel Bouvier est sans doute notre meilleur expert académique en finances publiques. Il l'a montré tout à l'heure par son remarquable exposé. Et je dois dire que le Conseil de normalisation des comptes publics que je préside s'honore de le compter au nombre de ses conseillers. Pourquoi s'interroger aujourd'hui sur la spécificité de la comptabilité publique? Comme vous le savez, la France a une longue histoire de comptabilité publique que d'aucuns font remonter à Philippe le Bel. J'ai noté au passage, en entendant le ministre, que c'était quelques 5 ou 6 siècles après le premier diwan de ce pays. Pour autant, c'est assez récemment que la problématique conceptuelle de la comptabilité générale des organismes publics non marchands a fait l'objet d'une réflexion systématique et holistique, comme on dit. Cette réflexion est désormais conduite par le CNOCP, qui a été créé en 2009, dans la foulée de la réforme du Conseil national de la comptabilité, et comme une composante essentielle du dispositif normatif consécutif à la grande réforme de la loi organique de 2001. Alors, il ne faut cependant pas négliger, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, le processus de réflexion et de modernisation engagé depuis très longtemps, et en France, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est déroulé progressivement jusqu'à nos jours,
et qui a permis de concevoir et de mettre en œuvre un système d'information financière et comptable publique parmi les plus sophistiqués au monde, je n'hésite pas à le dire, même s'il est encore incomplet et perfectible. Il y a en fait longtemps que la France a adopté un système de comptabilité générale dite patrimoniale ou en droit constaté, et de même, il y a longtemps que le principe d'alignement de la comptabilité publique sur les règles applicables aux entreprises, sous réserve de la spécificité de l'action publique, a été reconnu. Pour autant, la mise en œuvre opérationnelle de la comptabilité d'exercice n'a été achevée que récemment, en partie pour des raisons matérielles, dont les progrès de l'informatique ont permis de surmonter la difficulté. Quant à la réflexion sur les spécificités comptables du secteur public non marchand, que vous m'avez demandé d'aborder en introduction de votre colloque, elle n'a été achevée, et encore provisoirement, que l'année dernière, avec l'adoption de notre cadre conceptuel des comptes publics. Qu'en est-il donc de cette spécificité, d'ailleurs parfois contestée par certains, Michel Bouvier y a fait allusion tout à l'heure, sachant que notre cadre conceptuel reprend par ailleurs nombre de concepts classiques en entreprise. Nous avons tenté de la définir en réfléchissant sur la nature et sur les modalités de l'action publique, d'où découlent à notre sens les différences avec l'action de l'entreprise. Et cette réflexion est nécessairement influencée par la considération du système politique et institutionnel qui régit la France. Elle n'est donc pas nécessairement transposable en tout ou en partie à toutes les nations. À la différence du modèle de l'entreprise, qui est relativement homogène de par le monde, ce qui a permis la remarquable réussite de l'IASB dans son travail de standardisation de l'information financière des sociétés marchandes, la grande diversité des organisations politiques rend plus difficile la standardisation des comptes publics, qui fait, vous le savez, l'objet des travaux de l'Ipsas Board, auxquels d'ailleurs le CNOCP participe activement. Nous avons donc considéré que l'action publique est la mise en œuvre de politiques publiques, expression de la volonté du peuple souverain, qui fixe dans la Constitution les conditions dans lesquelles ces actions sont conduites par des entités auxquelles il confère les missions, les pouvoirs et les moyens nécessaires. Il s'agit de l'État, des collectivités locales et de leurs opérateurs, comme on dit, généralement qualifiés d'établissements publics, d'autorités ou d'agences. Et donc, au principe de cette action se trouve la souveraineté. Cette situation diffère profondément de celle de l'entreprise, qui est une personne morale régie par un nœud de contrat, dont l'objet social est défini et les relations avec les tiers elles-mêmes régies par le contrat, dans le respect, bien entendu, de la loi qui la surplombe, en quelque sorte. Le peuple souverain ou la nation n'est pas lui-même une entité comptable, même s'il est possible d'en évaluer la situation ou les performances en utilisant de la comptabilité nationale, qui est une agrégation ou une reconstitution partiellement statistique et partiellement comptable des données relatives aux entités de base, les administrations, les ménages et les entreprises, pour ne citer que les principales catégories. À vue humaine, et sauf disparition consécutive à une guerre, la souveraineté confère aux entités publiques une continuité d'existence qui contraste avec la mortalité de l'entreprise. Il n'y a pas pour les entités publiques de question de continuité d'exploitation. L'Argentine est toujours là, qui a fait défaut 6 fois en plus d'un siècle. Le souverain peut organiser différemment les entités qu'il constitue, mais de manière générale, leur fonction ne disparaît pas plus que les droits et obligations y afférentes. En second lieu, les entités publiques non marchandes ne recherchent pas, en principe, le profit financier. Chargées de distribuer des services collectifs, de redistribuer la richesse, elles ne pratiquent pas, sauf exception, le rattachement des produits et des charges. Leurs ressources, pour l'essentiel, ne sont pas affectées et leurs prestations sont majoritairement sans contrepartie. Éducation, sécurité, justice, aide sociale. La puissance publique trouve l'essentiel de ses ressources dans l'impôt et le pouvoir fiscal
est assimilable à une sorte d'actif incorporel dont l'évaluation est quasiment impossible. En troisième lieu, les relations des entités publiques avec les tiers sont certes, pour une part, contractuelles, et dans ce cas, analogues à celles des entreprises en termes d'obligations réciproques, mais elles sont surtout caractérisées par l'existence d'un pouvoir unilatéral de régulation. De cette spécificité découlent des conséquences importantes au regard de la reconnaissance et du point de départ de leurs droits et de leurs obligations. L'existence en France d'un concept de domanialité publique auquel est associé un principe d'incessibilité emporte ainsi une importante conséquence comptable, puisqu'un bien inaliénable n'est en principe pas valorisé. Ainsi, le domaine public en France n'est-il pas immobilisé ? Je pense à l'essentiel du territoire où, s'il est identifié et comptabilisé, il l'est de manière généralement symbolique, par exemple le patrimoine historique ou les collections des musées. On doit enfin souligner, en s'éloignant de la comptabilité générale, la spécificité que confère à l'action publique le caractère primordial du budget, par lequel sont autorisées la levée des ressources et l'exécution des dépenses des entités publiques. Les conditions dans lesquelles sont articulés budget et comptabilité générale sont également spécifiques à l'action publique, même si les différences avec l'entreprise sont plus de degré que de nature. Il en résulte en tout cas que l'attention portée traditionnellement au budget et à son exécution par les responsables politiques ou administratifs, comme par le public, est plus grande que leur intérêt pour la comptabilité générale. Or, la comptabilité générale est centrale pour les actionnaires de l'entreprise, pour les analystes financiers, pour les partenaires de l'entreprise. Cette spécificité influence au demeurant la totalité du système d'information des entités publiques non marchandes et pose des problèmes d'une grande complexité auxquels la seule comptabilité générale ne peut pas apporter de réponse, même si elle est indispensable à la bonne construction des outils nécessaires, qu'il s'agisse des comptabilités de gestion, des analyses de soutenabilité des politiques publiques ou des travaux de comptabilité nationale. Et je voudrais illustrer cette problématique par trois exemples. La gestion de l'entreprise met en œuvre des comptabilités analytiques qui, à partir des données de comptabilité générale par nature, reclassées par fonction et combinées avec des données physiques, permettent de contrôler la profitabilité des différentes lignes de produits et de services. Dans le secteur public non marchand, l'approche analytique, lorsqu'elle existe, est fondamentalement différente. Plus axée sur les indicateurs de résultats, quantitatifs ou qualitatifs, censés permettre de rendre compte de l'exécution de la politique considérée dont les modalités de financement sont secondes. À tort ou à raison, on considère volontiers que l'éducation, la sécurité ou la santé n'ont à proprement parler pas de prix, même si elles ont, à l'évidence, un coût. Seul le degré de tolérance des citoyens, associé à leur attente de services publics, fixe une limite, au demeurant imprécise, à la capacité de lever l'impôt pour financer l'action publique. Cette situation rend d'ailleurs très confus le débat sur les prélèvements obligatoires et sur le poids de la dépense publique par rapport au PIB, qui ne permet généralement pas de distinguer clairement la question du degré de socialisation du système et celle du coût comparé d'une gestion privée par rapport à une gestion publique. En second lieu, la dimension temporelle de l'analyse est fondamentalement différente dans le secteur public et dans le secteur privé. La réponse du marché intervient dans un délai très rapide pour saluer, sanctionner et orienter la stratégie de l'entreprise. La souveraineté et la continuité de l'État confèrent en revanche à la question de la soutenabilité des politiques publiques une spécificité en autorisant des paris et des transferts intergénérationnels auxquels les citoyens peuvent difficilement se soustraire. La seule comptabilité générale ne suffit bien entendu pas à éclairer le débat. Personne ne s'émeut vraiment du fait que la situation nette de la plupart des États développés, lorsqu'on la mesure, soit lourdement négative. Un troisième exemple plus technique est celui de la signification de la consolidation comptable
dont certains souhaitent voir le développement dans la sphère publique pour s'aligner sur l'entreprise. Dans l'entreprise, les normes relatives à la consolidation sont fondées sur le critère central du contrôle capitaliste, dont la propriété actionnariale constitue le principal indice. Même s'il existe parfois des situations complexes, le champ de la consolidation d'une maison mère et de ses filiales est relativement bien balisé. Dans la sphère publique, l'approche patrimoniale est moins évidente et le contrôle est lui-même de nature plus clairement politique et lié aux arrangements constitutionnels spécifiques aux pays concernés. Alors que la structure unitaire de l'État central en France, ab initio, organise la consolidation de tous les ministères, l'organisation en agence indépendante qui prévaut dans certains pays, par exemple la Norvège, justifie la consolidation. Mais quid des rapports entre l'État central et les entités décentralisées ou déconcentrées? La question du coût et de l'utilité de la consolidation se pose enfin en termes spécifiques pour le secteur public non marchand, et l'on peut penser que pour certaines finalités de politique économique ou sectorielle, le recours à la comptabilité nationale, qui permet des agrégations statistico-comptables pertinentes, est une réponse plus appropriée. Ces trois exemples illustrent à la fois la spécificité de la gestion publique et les limites de la comptabilité générale. C'est la raison pour laquelle le CNOCP a entrepris une deuxième phase de sa réflexion conceptuelle destinée à inscrire la comptabilité générale dans le contexte plus large du système d'information financière nécessaire à la conduite de l'action publique, en posant notamment la question de l'articulation de la comptabilité par nature avec l'approche par fonction ou programme, la question de l'articulation entre l'analyse fondée sur le bilan et les analyses prospectives de soutenabilité des politiques publiques, et enfin la question de l'utilité et de la faisabilité de la consolidation comptable en complément ou en alternative des travaux d'agrégation de la comptabilité nationale. Pour conclure, l'expérience française de déploiement d'une comptabilité générale en droit constaté démontre à la fois l'utilité, voire la nécessité de cet outil, mais aussi ses limites et la nécessité d'en faire un composant de base d'un système d'information plus complexe, traitant à la fois des questions d'analyse fonctionnelle ou sectorielle, des questions d'analyse prévisionnelle et des questions de consolidation des comptes publics. La crise financière a mis en lumière le caractère central des enjeux associés à la gestion des finances publiques et particulièrement de la dette publique. Pour avoir négligé ces sujets, certains pays ont cruellement souffert de la crise. Il est heureux que les institutions financières internationales, le FMI, la Banque mondiale, portent un intérêt accru à ces questions complexes et aux initiatives normatives et opérationnelles visant à améliorer la comptabilité des entités publiques non marchandes. Je forme le vœu que cette manifestation du centenaire de la Trésorerie générale du Royaume soit l'occasion de poursuivre ici une réflexion de même nature à laquelle le CNOCP de France sera heureux d'apporter son concours. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un nouveau siècle de succès. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir brillamment contribué à nous éclairer sur les spécificités des normes comptables publiques. Et en particulier, j'ai trouvé extrêmement intéressant que vous nous livriez votre opinion sur à la fois l'utilité et les limites de l'application de la comptabilité générale à la sphère publique. Je ne trahis pas, je pense, votre propos, ou en tout cas votre intention, je traduis de manière un peu schématique, en tout cas ce que j'ai ressenti, l'utilité de la comptabilité générale pour la sphère publique, si on prend le cas français, me semble être dans une progression de la transparence et de l'information. Les limites, vous les avez excellemment illustrées, en particulier votre réflexion sur le temps, que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Un État ne meurt pas, l'Argentine ne meurt pas, même si elle sombre sous les déficits et la dette. Il y a également une réflexion sur
le hors-bilan, les fonctionnaires en activité, comment faut-il les redresser dans le hors-bilan? Est-ce qu'il faut tenir compte de la statistique de mortalité ou pas? Quand on dit qu'un État engage un fonctionnaire et qu'il en prend pour 30 ans, est-ce que ça doit être traduit en comptabilité? Tout ceci est tout à fait passionnant. Merci de nous avoir aidé à progresser collectivement dans ces sujets. Et je retiens votre proposition de poursuivre, bien sûr, cette réflexion tout à fait passionnante. Merci encore. Je vais passer la parole à Monsieur Talbi, expert comptable, qui cette fois va nous parler des mérites, j'imagine, de la comptabilité privée, peut-être de sa supériorité sur la comptabilité publique, mais je ne pense pas que vous alliseriez peut-être jusque-là. La parole est à vous pour environ 15 minutes, 20 minutes. La technique. Monsieur le ministre, Monsieur le Trésorier général du Royaume, professeur, mesdames et messieurs, donc comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais rentrer droit dans le sujet. Alors j'ai intitulé mon intervention « La comptabilité normalisée au Maroc, bilan et perspective ». Bilan parce qu'un comptable ne peut pas parler sans bilan et il ne peut pas parler sans plan. Alors cette intervention est articulée en trois axes. D'abord la comptabilité en tant que sujet de passion et d'incompréhension. On va parler de la comptabilité aux normes globales, comme langage universel de la communauté financière, faire le bilan au Maroc et quelle perspective. Alors la comptabilité, source de passion, il n'y a pas meilleure passion que de voir l'histoire. Et la préhistoire et l'Antiquité nous apprend que la comptabilité a précédé l'écriture et que les tablettes sur le compte des chèvres et des moutons dataient déjà 2350 ans avant Jésus-Christ. Et le code d'Amorabi, 1800 avant Jésus-Christ, avait déjà parlé de textes comptables. Alors au Moyen-Âge, il y a cette fameuse grande coup de génie de Luca Pacioli qui a inventé la technique de la partie double. Et le hasard a fait que ce grand inventeur est décédé en 1517, ce qui fait 500 ans exactement, à partir de notre réunion aujourd'hui. Donc, c'est pour rester la mémoire de ce grand savant. Alors, pour sauter très rapidement, je pense que la quatrième directive européenne de 1978 a marqué un tournant, dans la mesure où elle a marqué pour la première fois la convergence entre les deux grandes écoles de normalisation comptable, qui sont l'école franco-germanique et l'école anglo-saxon. Je crois que c'est un tournant. Et tout ce qu'a fait le Maroc depuis, c'est inspiré de cette convergence des deux écoles. Également, une autre date historique qu'il faut enregistrer, c'est l'adoption par l'Union européenne en 2005 de l'obligation pour les sociétés cotées sur une place européenne de présenter des comptes consolidés selon normes IFRS. Alors, à ce jour, on n'a pas sauté le pas pour imposer les normes IFRS aux comptes sociaux. Donc ça, également, il faut le souligner pour dire que les normalisations comptables restent néanmoins des normalisations dans des périmètres nationaux. Alors, la mondialisation de l'économie, l'universalisation des valeurs des démocraties, des droits de l'homme, les exigences de transparence, la reddition des comptes, les nouvelles technologies de l'information et la responsabilité sociétale des entreprises ont donné un nouvel élan aux normes globales. Et ce mouvement, on l'a constaté depuis les années 80. Alors, les clichés. La comptabilité, langage mystérieux incompris, technique rudimentaire de tenue matérielle délivrée des registres, forme élaborée du mensonge. Et tout ça, ce sont des citations, des choses qu'on retrouve dans la littérature. Mais ces stéréotypes sont encore répandus, même chez le grand décideur. Je ne cite que comme exemple la campagne électorale française. Donc, des fois, même quelqu'un a dit, nous avons un gouvernement de comptables, dans le sens péjoratif du terme. Alors, un regard sur plus positif de penseurs, d'économistes, d'académiciens, pour ne citer que quelques-uns. Goethe, une des plus belles inventions de l'esprit humain. Proudhon, le comptable est devenu le véritable économiste de l'entreprise.
Également, on peut dire, professeur Samuelson, nous sommes à l'âge des machines, mais nous sommes aussi, et c'est aussi important, à l'âge des comptes. Également, nous sommes à l'âge des comptes des États. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Alors, également, c'est quelques fameuses phrases que j'ai aimées. Qui ne rêve d'éliminer une fois pour toutes cette science, dans le sens comptable, qui nous apprend que sinon que tout se paye, qu'au bout de l'année, un régime socialiste, comme un régime socialiste, il faut que les recettes équilibrent les dépenses. Raymond Aron. Il y a aussi cette phrase, savoir lire un bilan est plus important que connaître les services de Charlemagne. Professeur Perroche, et c'est toujours valable. Alors, la normalisation de la comptabilité comme déterminant de la globalisation. Alors, la question qui se pose, tous ces penseurs, ces académiciens, quand ils parlent de comptabilité, de quelle comptabilité ils parlent? Et de quel comptable ils parlent? Alors, pour moi, la comptabilité, c'est la comptabilité normalisée. En tout cas, c'est le but de mon exposé. C'est la seule comptabilité qui est universelle. Tout le reste, c'est pas des... on ne peut pas lui donner le qualificatif de comptabilité. C'est une comptabilité d'exercice avec cette finalité que cette comptabilité puisse, à la fin de l'exercice, donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière des résultats. Donc, si vous avez un instrument comptable qui ne vous renseigne pas sur le patrimoine, la situation financière et les résultats, ce n'est pas de la comptabilité. C'est autre chose. On est dans un autre monde. Alors, bien sûr, cette comptabilité, disons, elle a ces deux atouts que tout le monde comprend, les chiffres et les valeurs monétaires, parce que nous avons les illettrés, les innombrés. Ben, les populations, même les analphabètes, ne sont pas innombrés. Tout le monde sait qu'on est la valeur d'un billet de banque, par exemple, parce qu'il y a des chiffres et l'unité monétaire. Et ce qui fait que cette technique de communication est devenue universelle. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous le ministre des Finances, pour dire que la solidité de l'infrastructure comptable est une composante majeure de réussir de toutes les réformes économiques et sociales. On n'aurait pas pu réussir la privatisation, on n'aurait pas pu réussir la rationalisation des entreprises publiques, on n'aurait pas pu réussir la modernisation de la bourse, etc., s'il n'y avait pas une infrastructure comptable solide à la base. Alors, bien sûr, le comptabilité est devenu un enjeu mondial, ne serait-ce que par le développement des grandes organisations, aussi bien politiques que professionnelles. Même des Nations Unies, il y a un groupe, ISAC, qui s'occupe des normes comptables internationales. Et nous avons cette comptabilité qui est portée par une profession forte. Il y a 2 500 000 professionnels libéraux comptables dans le monde, dont près de 500 000 en Europe. Et cette population donc nourrit la réflexion et le développement de cette comptabilité universelle qui est la comptabilité normalisée. Alors, quel bilan au Maroc? Alors, si on prend l'histoire du Maroc depuis le début du XXe siècle, il y a surtout ce qu'on constate, une grande avancée depuis le milieu des années 80. On peut dire qu'on était dans un néant comptable auparavant, dans un désert comptable. Et que le tournant s'est opéré au milieu des années 80. Et depuis, donc, il y a toute cette construction de l'édifice comptable dont je vais parler par la suite. Alors, le processus de normalisation comptable au Maroc, c'est le Conseil national de la comptabilité. Ici, je vous ai donné les normes produites par le Conseil national de la comptabilité, qui sont nombreuses, mais ce qu'on remarque, c'est que ces normes sont produites avec un rythme irrégulier, des fois même discontinu, et vous avez vu le vide, le passage à vide qu'il y a eu entre 2008 et 2015 au niveau du Conseil national de la comptabilité. Alors, la norme marocaine dépasse l'objectif d'information financière et érige la comptabilité en véritable système d'information, parce qu'il y a tout le débat. Est-ce que la comptabilité, c'est uniquement pour produire de l'information pour les tiers et notamment pour le marché, ou bien elle est à usage interne? Et bien, pour le normalisateur marocain, c'est les deux à la fois. C'est pas comme les médicaments, usage interne, usage externe. La comptabilité, l'usage interne et usage externe, tout à la fois.
Donc, comme je l'ai dit, la finalité de la comptabilité est de produire des états financiers aptes à donner une image fidèle du patrimoine de la science finance des régions. Ça, c'est un point important. C'est le point de différenciation entre ce qui est comptabilité et ce qui n'est pas comptabilité. C'est la ligne de démarcation. Alors, le CGNC, le Code général de la normalisation comptable, c'est pourquoi il sait, c'est-à-dire il a pris le mieux de ce qu'il y a dans les deux écoles mondiales de normalisation comptable. Un dispositif de fond avec un cadre conceptuel des principes fondamentaux des méthodes d'évaluation, et également un dispositif de fond puissant. Parce que ce qui va donner de la crédibilité à la comptabilité, à l'information comptable, justement, c'est le dispositif non seulement de fond, mais de forme. La partie double, les registres comptables, les pièces justificatives probantes, la conservation des pièces, l'intangibilité du bilan d'ouverture, la traçabilité des enregistrements, etc. Tout ça, c'est quelque chose. Donc, la norme comptable, dans notre contexte, en tout cas dans le contexte marocain, ne peut pas se limiter à un simple recueil de normes, comme dans la pensée anglo-saxonne, comme par exemple les normes IFRS. Il faut qu'elles soient appuyées par un système d'information solide où il faut prouver, c'est-à-dire la fiabilité de cette comptabilité. C'est un élément important qui est négligé, je pense, au niveau de l'école anglo-saxonne et des normes internationales. Alors, les quatre piliers de l'édifice. Pour avoir un édifice comptable digne de ce nom et solide, il faut quatre piliers. Un pilier de normalisation comptable, c'est le Conseil national de la comptabilité qui a été créé en 1989 en tant qu'organe officiel de normalisation comptable. Et au Maroc, ce organe, il traite la normalisation aussi bien des comptes privés, entre guillemets, j'aime pas trop cette, parce que la frontière des fois entre privé et public n'est pas, je veux dire, des entreprises et du compte public. Une profession comptable, institution en 92 de l'Ordre des experts comptables, et la création récente en 2015 de l'Organisation professionnelle des comptables agréés en tant qu'organe indépendant et doté de monopole, ces deux organisations. Alors les deux organisations font aujourd'hui un effectif de 2000 professionnels avec une perspective à court terme peut-être de passer à 5000. Alors tout cela, il faut le rattacher. Là, c'est les statistiques de la DGI. On recense 453 000 entreprises, celles qui ont identifié en ICE, dont 278 000 soumises à l'IS. Alors je rappelle que quand on a fait en 80-82, le chiffre des entreprises soumises aux bénéfices réels ne dépassait pas les 30 000, pour dire que nous avons une économie en plein essor. Alors la formation comptable, donc l'intégration de l'enseignement du CGNC dans l'enseignement depuis le début des années 90, il faut toujours que l'enseignement précède la mise en application d'une norme. Et ça, je dirais, peut-être, c'est les facteurs déterminants. Les comptables ne vont appliquer que ce qu'ils ont appris à l'école. Ça, c'est très important. Donc, d'ailleurs, entre le moment où on a fait le CGNC en 1986 et la généralisation, il s'est passé 8 ans. Et l'élément, je dirais, qui fait ce décalage, c'est la formation. La formation, c'est l'élément important. Et ensuite, la surveillance et la régulation. Donc, cette surveillance, on a renforcé les autorités de régulation existantes. Bon, Banque du Maghreb, pour le secteur financier, pour les banques. Également, la MMC, qui a pris la relève du Conseil déontologique de valeur mobilière, avec des pouvoirs plus... Et l'institution en tant qu'autorité indépendante de la CAPS pour les organismes de science. C'est cet édifice qui fait que nous avons de la bonne information et que cette information puisse pénétrer le plus possible le tissu économique. Alors, si on veut faire un diagnostic c'est-à-dire du Maroc, le positionnement du Maroc dans cet édifice, nous avons un rapport de la Banque mondiale dans ce qu'on appelle le ROSC, le rapport qui a été fait en 2002, mais je le cite parce qu'il reste toujours, à mon avis, d'actualité. Et ce rapport, tout en faisant état des grandes avancées qu'a fait le Maroc, notamment depuis le milieu des années 80, néanmoins, il y a des faiblesses, notamment la lourdeur du processus de normalisation, le manque de ressources humaines et financières de consolidation de la comptabilité, dont avant Sissoumar, qui est avec nous, qui héberge le CNC, l'absence d'obligation de compte consolidé de normes pour certains secteurs, le faible effectif de diplômes experts comptables formés localement,
la complexité des procédures de publication de l'information comptable. On n'a qu'à voir les problèmes que nous avons au niveau des grèves des tribunaux pour déposer les comptes sociaux et la concentration des commissaires aux comptes au niveau de quelques grands cabinets. Alors, à mon avis, ça peut être une feuille de route parce que la plupart de ces faiblesses restent toujours d'actualité. Alors, quelles perspectives? Alors, ce n'est pas tellement les perspectives, mais c'est plutôt des actions que personnellement j'estime prioritaires par rapport au diagnostic qu'on vient de faire. Première priorité, peut-être la priorité des priorités, c'est de réformer le CNC. C'est le pilier qu'on peut considérer aujourd'hui faible de l'édifice comptable. En recentrant son action sur la production de normes, en le chargeant d'une mission de veille sur la norme internationale, en professionnellement sa composition, la redimensionnant, et en lui allouant des ressources financières et humaines suffisantes. Alors, peut-être en décalage par rapport à nos collègues français, je ne suis pas en faveur de la fracture en matière de normes entre le secteur public et le secteur privé. Il faut qu'il y ait une normalisation unique. C'est cet échange entre le secteur public et le secteur privé qui permet de sortir les meilleures normes. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, les normes IPSAS ne sont que la transposition des normes IFRS. Et cette fracture, justement, c'est ça qui fait qu'on a l'impression d'avoir affaire à deux mondes. Alors que le monde comptable, il est unique, il est universel. Et que la complexité n'est pas l'apanage des États. Une entreprise, une multinationale, qui est présente sur les 5 continents, dans plus d'une centaine de pays, qui ont des cultures différentes, etc., elle vit la même complexité. Seulement la différence, c'est que cette multinationale, elle produit ses états financiers consolidés dans les 10 jours suivant la date de l'exercice, les faire certifier dans le mois suivant et distribuer des dividendes à ses actionnaires. Donc la complexité, c'est quelque chose qui se gère. Ça ne doit pas être un obstacle. Rendre obligatoire des IFRS pour les entités tenues de respecter nos comptes. C'est-à-dire, pour les comptes consolidés, je pense qu'on peut s'accorder à dire qu'on n'a pas besoin de normes nationales de consolidation. Nous les avons, mais je pense qu'il faut aller dans le sens d'adaptation directe d'un IFRS. Un autre souhait également, c'est d'expurger la législation fiscale de toutes les dispositions relatives aux comptabilités. Le Code général des impôts, le CGI, n'a pas pour but de régir la comptabilité. La compte est régie par un droit comptable, par des normes comptables, etc. Et on doit, et des choses évidentes qu'il faut faire, au moins unifier la liasse comptable et la liasse fiscale. Aujourd'hui, une entreprise doit faire une liasse comptable pour ses commissaires aux comptes, ses actionnaires, et une liasse fiscale pour les impôts, alors que la plupart des tableaux sont identiques. Lutter contre les déserts comptables. Je crois qu'on a encore beaucoup de déserts comptables. Il faut que la comptabilité normalisée, c'est-à-dire état financier dans les marchés fidèles, le patrimoine, l'état financier, les résultats, pénètre toutes les administrations, les collectivités territoriales, les établissements non marchands, et ce, dans le sillage du processus d'établissement des comptes de l'État en 2018 et de la certification de la Cour des comptes en 2020. Instituer l'obligation de tenue de comptabilité d'exercice conforme au CGNC par toutes les entreprises du secteur non marchand, qui aujourd'hui qui tiennent souvent une comptabilité de caisse, comme les associations, les fondations, les sociétés civiles, etc. Instaurer l'obligation de nomination de commissaire aux comptes dans les SARL et dans les associations dont les chiffres d'affaires dépassent de ceux du modèle simplifié. Ça, c'est ce qu'on a remarqué, par exemple, au niveau du dépôt des états financiers, au niveau du greffe du tribunal de commerce, c'est qu'il n'y a que les sociétés qui ont un commissaire aux comptes qui font qui respectent cette obligation. Instituer le principe de rotation des commissaires qui existe dans les directives européennes. Augmenter les capacités d'accueil de la formation au diplôme d'expert comptable et élargir cette formation, par exemple, dans un premier temps, aux NCG et même, je dirais, aux écoles privées, et garder parallèlement le caractère national du diplôme. Intégrer les normes IPSAS-IFRS dans l'enseignement, dans le cursus d'enseignement, dès le secondaire, et mettre en œuvre, au niveau des greffes des tribunaux de commerce et de l'OMPIC, des systèmes de communication des états financiers annuels par voie électronique, à l'instar de la télégration au niveau de la DGI, au niveau de la Trésorerie générale des impôts, de la Trésorerie générale, ou un système d'échange électronique de données entre ces organismes. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Talbi, pour ce propos militant, je dirais. Hein, vous êtes un passionné et un militant de la comptabilité normalisée. Alors, et vous êtes également un militant qui défend l'idée d'un seul producteur de normes, producteur unique, aussi bien pour le public que pour le public. Alors, mon voisin souhaite vous apporter la contradiction. Non, on n'aura probablement pas le temps d'aller complètement vider ce débat. D'abord, s'il avait besoin d'être démontré que la comptabilité est un sujet de passion, je crois que M. Talbi nous en a donné la démonstration et je partage ce sentiment. Non, je voudrais faire deux remarques sur ce très remarquable exposé. La première, c'est un sujet qui me trouble. Certains d'entre vous savent peut-être que je préside par ailleurs l'organisation internationale qui fait les normes internationales, la fondation IFRS et l'IASB qui en est le standard setter. Donc le sujet de la comptabilité privée m'est aussi cher que le sujet de la comptabilité publique. Et vous avez évoqué, M. Talbi, un sujet très difficile qui est que nos amis anglo-saxons n'ont pas de plan comptable. Et que nous avons été élevés, moi j'ai été élevé, je ne suis pas expert comptable, mais j'ai appris à l'École nationale d'administration, j'ai appris le plan comptable. Et je crois à la vertu d'un plan de compte. Et c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à faire partager à nos amis anglo-saxons qui n'ont pas ce concept-là. Alors, il y a peut-être un point de convergence, et je voulais l'évoquer avec vous, qui est que nos amis sont en train de découvrir le concept de taxonomie. Et cette taxonomie, c'est en réalité un dispositif qui permet de transformer la norme dans une sorte de codification, qui permet ensuite de la traiter en informatique dans des applications normalisées. Et donc peut-être qu'il y a à terme une sorte de réconciliation entre le système continental, comme on dit, du plan de compte et le système de l'absence de plan de compte que les anglo-saxons connaissent, via cette problématique de la taxonomie et de son intégration dans des systèmes de gestion. Alors, le deuxième sujet, c'est la fracture. Moi, je n'ai pas parlé de fracture. J'ai parlé de spécificité. Et vous avez parlé de fracture. Moi, je n'ai aucune fracture, d'autant que, comme je vous le dis, je préside l'Organisation internationale sur le secteur privé et l'Organisation française sur le secteur public. Donc, pour moi, il n'y a pas de fracture. En revanche, il y a des différences importantes, et j'espère l'avoir démontré tout à l'heure. Dernière remarque sur les IPSAS. J'ai contribué à faire évoluer le système de gouvernance des IPSAS qui n'était absolument pas approprié et qui évolue de manière tout à fait favorable aujourd'hui pour mieux prendre en compte les considérations publiques. Mais il faut quand même savoir que les IPSAS aujourd'hui, et ce n'est pas une critique que je fais des IPSAS, sont totalement incomplètes pour les États. Les IPSAS ne comportent rien sur ce qu'on appelle en anglais les social benefits, c'est-à-dire les transferts sur la fiscalité. Tous ces sujets-là font l'objet actuellement de projets de normes. Donc on voit bien qu'on a besoin de traiter des problèmes de spécificité qui n'ont pas été traités par les IPSAS, qui ont effectivement pris partout où c'était possible les normes IFRS adaptées au secteur public, mais il n'y a pas de normes IFRS sur les subventions. Il n'y a pas de normes IFRS sur l'allocation adulte handicapé. Il n'y a pas de normes IFRS sur les transferts sociaux, parce que les entreprises ne font pas ce type d'opération. Et que donc il faut bien trouver un système pour régler la spécificité propre à la comptabilité du secteur public non marchand. Donc pas de fracture, une complémentarité, une spécificité. Chaque fois qu'on le peut, l'identité ou la convergence, mais quand on a spécificité, spécificité. Merci à tous les deux pour cet éclairage, cette confrontation amicale, je dirais, hein, qui nous permet de progresser. Donc vous avez été nos deux grands témoins. Nous avons brillamment débuté cette réflexion sur la comptabilité publique, que nous allons poursuivre à présent, donc avec une série d'interventions. Je vais passer immédiatement la parole à M. Habart, directeur des comptes publics, qui va nous dire ce qu'apporte la comptabilité publique à la gestion financière publique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
La comptabilité publique s'entend de l'ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'État et des collectivités territoriales et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. La comptabilité publique appartient comme discipline juridique au droit public et comme discipline technique à la gestion financière. À ce titre, les livres de comptes sont sans doute la première expression moderne de l'établissement d'un lien entre le nombre et le droit, la quantification et l'obligation juridique. À partir du 1er janvier 2018, et comme l'a souligné M. le Trésorier général, l'État au Maroc tiendra une comptabilité générale en droit constaté avec une forte valeur ajoutée patrimoniale. La réforme de la comptabilité de l'État s'explique par la tendance internationale à la convergence vers la comptabilité de l'entreprise, ainsi que par certaines lacunes du système actuel qui portent notamment sur l'absence d'informations sur le patrimoine de l'État, les crédits nécessaires à son entretien et à son renouvellement, et plus généralement sur la politique d'investissement public. L'incapacité à fournir des indications sur les engagements et les risques financiers encourus. L'absence d'une vision consolidée des comptes publics. Le manque d'outils comptables d'aide à la décision performante. L'État devait, de ce fait, rapprocher ses pratiques de gestion de celles du secteur privé. Il importe de préciser toutefois que, même si la nouvelle comptabilité générale de l'État s'inspire largement des principes et des concepts de la comptabilité du secteur privé, les deux comptabilités n'ont pas les mêmes finalités et leurs résultats ne peuvent être interprétés de la même manière, et ce pour plusieurs raisons. La première raison tient au fait que l'État ne poursuit pas les mêmes objectifs et n'a pas les mêmes contraintes qu'une entreprise privée, étant donné que l'État joue un rôle de régulateur sur le plan économique et social et constitue le garant en dernier ressort des engagements pris par l'ensemble du secteur public, à savoir l'État, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publiques. La deuxième raison concerne le fait que, face à la défaillance du marché privé pour la production de biens et services collectifs, l'État est souvent contraint de mettre à la disposition des citoyens des biens et services d'intérêt général à des prix qui ne répondent pas souvent aux critères du marché. La troisième raison a trait au fait que l'État n'a pas pour objectif de réaliser du profit, il n'a pas de chiffre d'affaires et son résultat annuel n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés. La quatrième raison est qu'une partie du patrimoine de l'État n'a pas de valeur marchande, étant donné qu'il est destiné à répondre à des besoins économiques et sociaux des citoyens. Il est valorisé au coût historique et non pas à la valeur du marché, puisqu'il n'en existe pas. La cinquième raison est que le rattachement des charges et des produits à l'exercice, compte non tenu de leur paiement et de leur encaissement, répond essentiellement à la contrainte de respect de l'annualité budgétaire. Enfin, les états financiers de l'entreprise sont destinés aux gestionnaires, aux actionnaires et aux investisseurs et constituent la base de calcul des impôts et taxes dus à l'État, alors que ceux de l'État sont communiqués au gouvernement, à la Cour des comptes, au Parlement, aux citoyens, à la société civile, aux organismes financiers internationaux et aux agences de notation. Dans ces conditions, on est en droit de se demander quel est l'apport de la comptabilité à la gestion financière publique et que faut-il pour que cet apport soit significatif. Il y a lieu de relever que tout système comptable répond à trois objectifs fondamentaux, à savoir l'inventaire exhaustif du patrimoine et l'enregistrement des transactions qui s'y rapportent, la mesure du résultat aux fins de partage entre les principaux acteurs concernés, en l'occurrence l'État pour prélever les impôts, les actionnaires pour engranger les dividendes et le personnel en termes d'intéressement. Enfin, l'appréciation de la situation financière afin d'éclairer les prises de décision des gestionnaires et des investisseurs. La loi organique relative à la loi de finances a prévu un système de comptabilité de l'État fondé sur une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité d'analyse des coûts. Les informations restituées par chaque type de comptabilité sont certes différentes,
mais néanmoins complémentaire. L'articulation des données de ces trois types de comptabilité permet d'en faire un outil puissant de gestion, de contrôle, d'information, de consolidation et d'évaluation des politiques publiques. Premièrement, la comptabilité est d'abord un outil de gestion qui permet d'assurer le suivi de l'exécution du budget et le respect des principes de limitation et de spécialité des crédits. À ce titre, la comptabilité budgétaire demeure l'instrument privilégié pour suivre l'exécution du budget, contrôler la trajectoire fixée par la loi de finances en termes de recettes, de dépenses, de solde budgétaire et de moyens de financement et procéder le cas échéant aux ajustements nécessaires en cours d'exercice. La comptabilité budgétaire permet de déterminer la capacité de gestion des services ordonnateurs en termes de taux d'engagement et d'émission des crédits, ainsi que le niveau des crédits d'investissement reportés. La comptabilité budgétaire permet également de dégager des indicateurs utiles pour le pilotage du budget de l'année en cours et la préparation des projets de loi de finances. Les principaux indicateurs ventilés par ordonnateur sont les restes à réaliser, qui sont constitués de la différence entre les engagements et le service fait. Les restes à payer, qui représentent la différence entre les engagements et les paiements. Les écarts entre les crédits et les émissions, qui font ressortir les annulations, les reports et les dépassements. À côté de la comptabilité budgétaire, les données de la comptabilité générale ventilées par programme, projet et action permettent d'apprécier à l'aide d'indicateurs la performance des services ordonnateurs quant à la réalisation des projets dont ils ont la charge. En outre, le bilan et les comptes de résultats fournissent des informations financières précieuses sur le patrimoine, les créances, la trésorerie et les dettes de l'État. Deuxièmement, la comptabilité est ensuite un instrument de contrôle qui permet aux juges financiers de vérifier que les comptes sont réguliers, aux parlementaires de s'assurer que le budget a été exécuté conformément à ce qui a été autorisé et aux citoyens d'être informés de l'usage qui est fait du fruit de son travail. Ainsi, la comptabilité est une obligation de rendre des comptes. Elle met en relation trois acteurs, à savoir celui qui a des comptes à rendre, celui auquel ces comptes doivent être rendus et le comptable qui établit ces comptes. C'est dans ce cadre que s'inscrit la loi de règlement qui donne corps au principe constitutionnel de transparence, de responsabilité et de reddition des comptes. Toutefois, il est à souligner que, contrairement à la loi de finances, la loi de règlement ne suscite pas beaucoup d'intérêt de la part des parlementaires. Cela a été d'ailleurs relevé par Alain Lambert, ancien ministre du Budget et l'un des pères de la loi organique des finances en France, qui disait que la France est un des rares pays au monde où l'on continue à voter des lois de finances initiales basées sur de simples prévisions et où l'on fait si peu de cas de l'examen de la loi de règlement que l'on appelle également reddition des comptes. Aussi absurde que cela puisse paraître, là où l'examen de la loi de finances initiale occupe plusieurs mois de la vie du Parlement, l'examen de la loi de règlement, qui devrait être l'outil majeur de pilotage des finances publiques, n'en occupe que quelques heures. Fin de citation. Je voudrais à ce titre dire que la situation du Maroc n'est pas très différente de celle décrite par M. Alain Lambert. Troisièmement, la comptabilité est en outre un support d'information et de communication avec les tiers. Elle permet d'établir des situations synthétiques sur l'exécution mensuelle de la loi de finances et sur la situation patrimoniale et financière de l'État au moyen d'un bilan et d'un compte de produits et charges. C'est d'ailleurs la communication avec les tiers qui est à la base de la normalisation en termes de comptabilité. Il s'agit en fait d'une uniformisation des modes de représentation de la situation financière et patrimoniale de l'État qui permet in fine la comparabilité d'informations standardisées et compréhensibles par les utilisateurs, à savoir les investisseurs dans le cadre du marché financier national et international, les agences de notation et les organismes financiers internationaux. À ce titre, la loi organique relative à la loi de finances a précisé et élargi les informations que l'État doit désormais communiquer en accompagnement du projet de loi de finances ainsi que du projet de loi de règlement. Il s'agit notamment du rapport sur les comptes consolidés du secteur public, du rapport annuel de performance,
du rapport d'audit et de performance, de la programmation pluriannuelle et du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales. Quatrièmement, la comptabilité est par ailleurs un instrument d'évaluation des politiques publiques, dimension qui peut être désormais assurée grâce à la comptabilité d'analyse des coûts qui permet de calculer le prix de revient et les coûts des services rendus par l'État. La comptabilité contribue ainsi à l'amélioration des performances des gestionnaires et à leur responsabilisation. Cinquièmement, la comptabilité de l'État permet enfin de disposer d'une vision consolidée de la situation financière de l'ensemble du secteur public. La consolidation des comptes publics revêt une importance majeure pour les besoins de cohérence et d'optimisation des politiques publiques et pour mesurer l'impact du secteur public sur le reste de l'économie en termes de prélèvements obligatoires et de pression fiscale, de dépenses publiques ou de demandes adressées à l'économie, d'endettement du secteur public et des charges y afférentes eu égard au rôle de l'État en tant que garant qu'assureur en dernier ressort, d'investissement public, de solde budgétaire global. Permettez-moi de citer encore une fois Alain Lambert qui disait à ce titre que, après 30 années ininterrompues d'engagement au service des finances publiques, je ne parviens pas à élucider ce mystère. Pourquoi continue-t-on à appréhender et à gérer séparément les comptes de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales? S'agit-il d'un refus ou d'une inconscience? Mesdames et messieurs, pour pouvoir répondre à toutes ces attentes, les comptes publics doivent présenter un certain nombre de caractéristiques essentielles. À ce titre, la loi organique relative à la loi de finances stipule que les comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de l'État et de sa situation financière. La tenue de comptes réguliers signifie que ceux-ci sont conformes aux règles du droit comptable en vigueur. La sincérité est une qualité qui ne résulte pas de normes comptables, mais découle de l'absence d'intention de tromper. En ce qui concerne le principe de l'image fidèle, il est utile de souligner que la comptabilité a donné à un système juridique la forme d'un tableau chiffré soumis à un rigoureux principe d'équilibre des droits et des obligations. Le tableau comptable doit être d'abord considéré comme un portrait donnant une image objective de la réalité qu'il dépeint. Le tableau annonce le concept juridique d'image fidèle. Ce qui fait l'originalité et la puissance du tableau comptable en partie double tient au fait qu'il donne à voir, en un tout cohérent et homogène, un ensemble de choses, de personnes et d'opérations foncièrement hétérogènes. En vue de renforcer la fiabilité des comptes de l'État, la loi organique relative à la loi de finances a prévu que la comptabilité générale de l'État soit certifiée par la Cour des comptes à l'horizon 2020. Enfin, le dernier principe que la comptabilité de l'État doit satisfaire est la permanence des mêmes méthodes sur le long terme. Pour sa part, le comptable public, en tant qu'acteur majeur dans le système financier public, devra veiller à respecter de manière rigoureuse les principes et règles comptables. Il doit également s'assurer, à partir du fait générateur, que l'ensemble des charges et produits sont effectivement rattachés à l'exercice. Il doit en outre veiller, en application du principe de prudence, à ce que toutes les charges probables soient bien constatées et que seuls les produits certains soient pris en compte. Il doit enfin s'assurer de l'exhaustivité des opérations réalisées, aussi bien par les services ordonnateurs que les opérations dont il a la charge, à savoir l'amortissement, les provisions, et que toutes les données ont bien été enregistrées dans le système d'information. Mesdames et messieurs, il est admis que la comptabilité ne fait que traduire l'action publique en termes financiers. Elle permet d'exprimer et de suivre une gestion budgétaire par les chiffres. En l'absence d'une comptabilité, comment bien gérer ce que l'on ne connaît pas et ce que l'on ne mesure pas? Comment gérer un budget si l'on n'a pas une vision exhaustive des engagements pris par le secteur public, du rythme de consommation des crédits et des rentrées de recettes et de l'évolution de la trésorerie? Comment les parlementaires et à travers eux le citoyen peuvent-ils contrôler l'action du gouvernement s'ils ne disposent pas de données fiables et compréhensibles? Comment enfin apprécier les politiques publiques si l'on n'est pas en mesure d'en estimer le coût complet? À ce titre, il convient de souligner qu'avec la mise en œuvre de la réforme de la comptabilité de l'État, le comptable public doit revoir son rôle dans les dispositifs financiers publics pour
pour devenir une référence en matière de communication d'informations pour les besoins de gestion, de programmation budgétaire, de contrôle et de reddition des comptes et de recherche et d'analyse financière et comptable. Il doit également devenir un conseiller pour les collectivités territoriales afin d'améliorer la gestion locale et prévenir les risques financiers. En 1817, Charles Ganil, économiste et député français, soutenait que la publicité des comptes de finances est le plus beau monument de la civilisation moderne. Quel acte auguste et solennel que celui qui soumet aux représentants d'une nation le compte des tribus levées sur le peuple, qui provoque leur surveillance sur leurs produits et leur emploi, facilite la recherche des abus qui ont pu s'y glisser et la poursuite de ceux qui s'en sont rendus coupables. Que peut-on désirer de plus du gouvernement des hommes? Et comment refuser son dévouement à un ordre de choses où la loi règne sur le gouvernement comme sur les particuliers? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Habart, pour avoir rappelé que l'apport majeur, s'il y en avait un, c'est de rendre des comptes. La comptabilité, ça sert à rendre des comptes. Et donc, la redevabilité est un élément essentiel. Vos propos de la fin nous donnent l'occasion de la transition avec l'intervenant qui va suivre, puisque vous avez indiqué que le comptable public doit revoir son rôle. La comptabilité publique change. L'acteur essentiel de la comptabilité qui tient à la comptabilité publique, le comptable public, doit évidemment s'adapter à ces changements. Et vous savez qu'un des aspects essentiels du métier de comptable public, c'est la responsabilité qui pèse sur le comptable public. Donc, M. Christian Guichetot, qui est ancien trésorier-payeur général, et donc ancien comptable public, qui est le président de l'Association française de cautionnement mutuel des comptables publics en France, va nous parler de la responsabilité des comptables publics d'hier à aujourd'hui. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier général du Royaume du Maroc, même s'il s'est absenté, mon cher Michel Bouvier, mon cher Michel Prada, Mesdames, Messieurs, je salue également tous ceux qui nous regardent par visioconférence. Je suis, moi aussi, très honoré d'avoir été convié à cette importante manifestation organisée à l'occasion du centenaire de la Trésorerie générale du Royaume, et je remercie très chaleureusement les organisateurs d'avoir pensé à m'inviter en qualité de président de l'Association française de cautionnement mutuel. Je reviendrai sur cette action un peu plus tard. J'ai servi toute ma carrière au sein de la Direction générale de la comptabilité publique française, et d'ailleurs, Michel Prada, il y a une trentaine d'années, était mon directeur. Puis ensuite, à partir de 2008, au sein de la Direction générale des finances publiques, quand on a réalisé en France la fusion impôt-trésor, donc j'étais auditeur, fondé de pouvoir de trésorier-payeur généraux dans plusieurs départements, puis trésorier-payeur général dans trois départements, et j'ai fini ma carrière comme directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à Nice il y a un an. Tout ceci avec un peu d'atavisme parce que mon père était lui-même un comptable public. Je vais donc vous parler des comptables publics français et des problématiques actuelles auxquelles ils sont confrontés. De tout temps, nos gouvernants ont eu le souci de garantir une saine et sûre gestion des fonds publics, notamment en prenant des garanties, le cautionnement en est une, et de confier la manipulation des fonds publics à un corps spécialisé, les comptables publics, qui ont, l'a rappelé la présidente, une responsabilité particulière, elle est personnelle et pécuniaire. Dès ses origines, le système financier public est organisé afin de mettre en place un véritable contrôle des deniers publics. Il s'inspire d'une intervention de l'État dans l'économie, d'un souci de régulation, de maîtrise et de connaissance des dépenses et des recettes publiques. Il est en ce sens intrinsèquement lié à la notion de transparence budgétaire, d'information comptable à destination du gouvernement, des élus, des magistrats financiers, mais aussi des instances internationales et de nos concitoyens qui, de nos jours, sont de plus en plus demandeurs de cette transparence. Les deniers publics constituent par essence une chose publique. Cette spécificité entraîne l'obligation de transcription de leur utilisation. Ils revêtent alors une dimension comptable.
De ce fait, ces deniers sont soumis aux règles et techniques d'un droit particulier, le droit de la comptabilité publique. Un des anciens directeurs généraux de la comptabilité publique avait pour habitude de dire, quand il entendait critiquer l'action des comptables publics, qu'en matière de comptabilité publique, il n'y a véritablement que deux règles. La séparation ordonnateur-comptable et la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Sous le prisme de ces deux règles, les comptables publics ne font qu'appliquer, comme les autres fonctionnaires, les lois votées par le Parlement et les règlements édictés par les diverses administrations centrales. Le comptable public étant en bout de chaîne de la dépense, par exemple, c'est donc lui qui va valider ou non le paiement demandé par l'ordonnateur, et quand il ne le valide pas, parce que les lois et les règlements ne sont pas respectés, il est celui qui empêche la fluidité de la dépense publique au nom de règles de la comptabilité publique surannée. Or, il ne fait que s'assurer que la dépense est correcte, qu'elle correspond au budget qu'elle concerne et que le paiement se fait aux véritables créanciers, tous ces contrôles étant faits en garantie de la collectivité pour laquelle il est comptable assignataire. Pour pouvoir être installé en qualité de comptable public, un fonctionnaire doit remplir trois conditions. Avoir été régulièrement nommé par l'autorité compétente, avoir prêté serment, pour les comptables principaux de l'État en France, c'est devant la Cour des fonds, la Cour des comptes, et justifier de la réalisation d'un cautionnement dont le montant est fixé en fonction de l'importance du poste et des fonds maniés par un arrêté du ministre chargé du budget. Par exemple, pour mon dernier poste, où j'étais à Nice, le cautionnement était de l'ordre de 800 000 euros. Le cautionnement est une garantie, c'est la garantie de l'État. Il est le corollaire de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. C'est un système ancien. Michel Prada le rappelait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Philippe Lebel, mais il y a très longtemps, le roi exigeait déjà une caution de ceux à qui il confiait le recouvrement des impôts. Au XIXe siècle, le cautionnement a été consacré notamment dans le décret de 1862, et à ce moment-là, il devait être obligatoirement réalisé en numéraire ou en valeur d'État. Il était restitué à la sortie de fonction quand les comptes des comptables publics avaient été jugés par la juridiction financière et qu'aucun laissé à charge ne subsistait. De ce fait, seuls les fonctionnaires fortunés, voire ceux qui s'endettaient, pouvaient à cette époque être comptables publics. En 1908, quelques-uns de nos prédécesseurs ont réussi à convaincre le ministre de l'époque, qui était M. Joseph Caillaux, avant qu'il invente l'impôt sur le revenu, qu'une association créée entre tous les comptables publics pourrait garantir à l'État les cautionnements et que l'accès aux fonctions de comptable se démocratiserait. C'est ainsi qu'est née, d'une loi de finances, l'Association française de cautionnement mutuel que j'ai le plaisir et l'honneur de présider depuis 11 ans. Et depuis cette époque, plus aucun fonctionnaire astreint à un cautionnement, ne le dépose dans les caisses de l'État, mais adhère à cette association qui lui délivre alors un document sécurisé qui atteste auprès de ceux chargés de l'installer dans leur fonction qu'il est bien cautionné. Juste deux chiffres concernant la FCM, c'est environ 60 000 adhérents, parce qu'outre les comptables publics, il y a aussi tous les régisseurs d'État ou des collectivités locales qui sont tenus à un cautionnement, et un peu plus d'un milliard d'euros de cautionnement qui sont garantis à l'État par l'association. Cette association, bien qu'étant une association de 1901, a toujours été sous la tutelle de Bercy depuis l'origine, puisque toute modification des statuts doit être approuvée par le ministre des Finances. Le président que je suis doit être approuvé par le ministre des Finances et nous sommes soumis à des vérifications de l'inspection générale des Finances, bien que nous ne touchions aucun fonds public. Venons-en à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. J'ai l'habitude de dire que cette responsabilité qui s'ajoute aux responsabilités administratives, civiles ou pénales que les comptables publics ont, comme tous les autres fonctionnaires, est exorbitante du droit public. En effet, elle concerne les actes propres du comptable public, c'est bien normal, mais également les actes de tous les agents placés sous ses ordres et pour toutes les opérations de son poste comptable, que lui-même soit présent ou non. Vous pouvez imaginer ce que cela représente à l'aune, par exemple, de mon dernier poste à Nice, où j'avais 2000 agents sous mes ordres
qui manipulait quotidiennement et annuellement, ça se comptait, par quelques dizaines de milliards en recettes. Comment dépense quelques dizaines de milliards d'euros, bien évidemment. Cette responsabilité implique rigueur, respect des procédures, formation continue pour s'adapter aux évolutions technologiques comme réglementaires, audit régulier et permet d'assurer la sécurisation des opérations financières de la collectivité. Et ceci de la part de tous les agents qui sont dans la chaîne de travail de la comptabilité publique. Cette responsabilité personnelle et pécuniaire a en effet pour conséquence le travail sérieux et rigoureux de tous les agents qui sont conscients que leurs actes, et donc que leurs erreurs, peuvent avoir des conséquences financières pour le comptable public dont ils dépensent. Et j'aurai de multiples exemples que je pourrais développer. Car si le cautionnement garantit l'État, le comptable reste responsable et il doit s'assurer pour couvrir sa responsabilité. Pour cela que, un peu de temps après la création de la FCM, en 1936, a été créée par les comptables publics et à l'instigation de la FCM, une société d'assurance qui s'appelle l'Assurance Mutuelle des Fonctionnaires, AMF, dont le seul but était d'assurer les comptables publics qui adhéraient pour leurs responsabilités personnelles et pécuniaires. L'AMF existe toujours, elle est l'assureur de référence des comptables publics et des régisseurs, car plus de 80% sont adhérents de cette assurance. La mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics intervient soit pour des erreurs de caisse, des mauvais paiements, elle résulte également des débits administratifs ou juridictionnels. Un comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire est mise en jeu peut soit combler de ses deniers et faire jouer son assurance, soit demander une remise gracieuse au ministre et faire jouer ensuite son assurance pour les éventuels reliquats laissés à charge. S'il ne fait ni l'un ni l'autre de ces actes, ou si des fonds ont été détournés, puisque dans ce cas-là, bien évidemment, l'assurance ne jouera pas, ce manquement devient une créance de l'État qui est recouvrée par la direction des créances spéciales de l'État. Si cette direction n'arrive pas à recouvrer les fonds, elle actionnera le cautionnement du comptable public à la FCM, et la FCM versera les sommes demandées à hauteur du cautionnement constitué. Et la FCM, à ce moment-là, est en droit de recouvrer auprès du cautionné défaillant les sommes qu'elle a versées à l'État en étant subrogé dans les droits du Trésor. Une fois le comptable mis en cause par un arrêté de débit, il peut invoquer la force majeure dans des cas très limités et très précis, ce qui l'exonérera de son débit, ou demander une remise gracieuse au ministre. La régulation des débits, notamment juridictionnelle, par le ministre chargé du budget, est nécessaire pour rester dans des montants financièrement assurables. Si le système n'est plus assurable, il devient caduque. Or, c'est bien le ministre qui alloue les moyens de fonctionnement au comptable public pour assurer sa tâche. La demande de remise gracieuse va permettre au comptable public d'exposer les éléments à des charges qui ont conduit à sa mise en débit. Personnel manquant ou insuffisamment formé, absentéisme, moyens techniques insuffisants, applications informatiques défectueuses, etc. Et au ministre d'apprécier ses arguments ou d'accorder ou de refuser une remise gracieuse qui peut être partielle ou totale. Cette procédure de la remise gracieuse qui existe depuis plus de deux siècles était de plus en plus mal vécue par les magistrats de la Cour des comptes qui disaient, avec une certaine justesse, que les jugements qu'ils prenaient étaient de fait remis en cause par des décisions de remise gracieuse du ministre. Côté comptable public comme côté direction générale de la comptabilité publique puis celle des finances publiques, on était agacés par les nombreux jugements de débit pris par les juges financiers pour des débits sans préjudice financier, qui conduisaient, quand il s'agissait de l'État, à des inscriptions budgétaires inutiles, puisque dans ce cas, les remises gracieuses étaient très larges, ou quand il s'agissait de collectivités autres que l'État, à des enrichissements sans cause. De plus, les jugements pouvaient intervenir de nombreuses années après la fin d'activité des comptables publics, et parfois après leur mort, ce qui laissait leurs héritiers désemparés. La Cour des comptes et la Direction générale de la comptabilité publics ont donc commencé des discussions il y a une dizaine d'années pour étudier les possibilités de faire évoluer ce dispositif. Ces discussions ont conduit à une première réforme qui est entrée en vigueur en 2008 et dont la principale mesure consistait à ce que ce soit toujours le ministre qui accorde la remise gracieuse, mais après avis de la Cour des comptes. Cet avis n'étant pas un avis conforme, il ne liait pas le ministre dans sa décision finale de remise gracieuse.
bien que depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, le ministre ait dans l'ensemble suivi les avis de la Cour des comptes, ceci ne satisfaisait toujours pas une partie des magistrats financiers et ne répondait pas à la question du sans préjudice. Une nouvelle réforme a donc été nécessaire en 2011. Elle distingue le débet sans préjudice, le débet avec et sans préjudice, et elle laisse pour les débats avec préjudice le pouvoir de remise gracieuse au ministre, mais avec un plancher, il n'y a plus besoin par contre d'avis de la Cour des comptes. La règle est désormais la suivante. Pour les débats sans préjudice, les manquements laissés à la charge du comptable sont limités à 1,5 pour 1000 de son cautionnement et ne sont pas rémissibles. Ce sont en fait des amendes administratives qui sont mises à la charge du comptable public. Et pour les débats avec préjudice, la remise du ministre a un plancher fixé qui est fixé à 3 pour 1000 du cautionnement, et donc ne peut plus être total, quels que soient les motifs invoqués par le comptable. De plus, la réforme a introduit d'autres mesures, comme l'obligation de juger les comptes dans un délai de 5 ans après leur dépôt dans les juridictions financières, et la possibilité de remise gracieuse totale en cas de décès du comptable public. Cette dernière réforme n'a pas encore trouvé son point d'équilibre, car notamment la notion de préjudice financier n'a pas de définition précise en droit public. La jurisprudence du Conseil d'État, qui est la juridiction d'appel des jugements de la Cour des comptes, a commencé à préciser certaines choses et devrait, dans les années à venir, parvenir à stabiliser le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Réforme qui a quand même déjà eu pour effet de tripler les versements de sinistres de l'assurance et a conduit cette assurance, entièrement gérée par des comptables publics, à augmenter de façon très sensible les cotisations de ses adhérents, ce qui est compliqué mais qui reste encore pour le moment supportable. Si la dérive à la hausse des laissés à charge devait par contre perdurer, cette responsabilité ne serait plus assurable, elle disparaîtrait. Or, les comptables publics ont su s'adapter aux nombreuses réformes de ces dernières années, dont un certain nombre ont été évoquées ce matin. La plus emblématique, c'était la LOLF, bien évidemment, mais aussi la certification des comptes de l'État, les évolutions réglementaires et législatives constantes, les restructurations de réseaux, les environnements informatiques qui sont en perpétuel mouvement, les nouvelles formes de gestion, les nouvelles relations ordonnateur comptable modernisé, le contrôle partenarial, le service facturier, etc. Ils sont prêts à faire face aux évolutions à venir, comme la certification des comptes des collectivités territoriales ou le compte financier unique. Pour moi, le comptable public est un personnage clé parce qu'au sein de l'appareil d'État, il réalise la jonction entre les différents contrôles, internes comme externes, administratifs comme juridictionnels. Les nouvelles relations entre ordonnateur et comptable ne doivent pas remettre en question l'indépendance de ce dernier, indépendance qui est indispensable à l'exercice de ses missions. Cette indépendance emporte des garanties indéniables de transparence et de sécurité dans les opérations financières des organismes publics, et ces garanties sont plus que jamais nécessaires, car la LOLF, par exemple, donne une plus grande liberté aux gestionnaires. Le principe de séparation ordonnateur-comptable n'est pas une protection absolue contre les irrégularités, mais ces dernières seraient à l'évidence plus nombreuses et plus graves si on méconnaissait ce principe. Il y a quelques semaines, lors des discours qui ont été prononcés à l'occasion de l'Assemblée annuelle de l'Association française de cautionnement mutuel, à laquelle participait d'ailleurs Michel Bouvier, Gilles Joannet, qui est le procureur général de la Cour des comptes, prononçait ces quelques mots, je le cite: un autre élément essentiel touche à la séparation de l'ordonnateur et du comptable. C'est un élément essentiel, notamment au regard d'une préoccupation croissante des citoyens, la probité. Or, fondamentalement, le respect de cette règle repose sur vous, les comptables publics, qui faites preuve d'excellence professionnelle, de probité absolue, du sens du service public et qui êtes contrôlés par les juridictions financières. Ayons une ambition commune. Nous voulons vivre la réalité de la saine gestion publique qui passe par les prérogatives propres au comptable public et non pas de la voir s'étioler. Fin de citation. La présence d'un comptable public, son indépendance ne sont pas des freins à la modernisation nécessaire de nos finances publiques qui doivent s'adapter aux normes internationales comme vivre avec les contraintes de leur temps. Dans un système qui a largement fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui, l'avenir démontrera, j'en suis moi aussi persuadé, que l'action des comptables publics reste un gage de sérieux, de sécurité
et de transparence pour nos finances publiques. Pour terminer, la FCM est aussi centenaire, monsieur le trésorier général, puisque 1908, on a fêté notre centenaire en 2008, et on avait eu, comme vous, l'idée de faire un timbre, mais comme on s'y est pris un peu tard, on n'a pas pu s'intégrer dans, dans le programme qui était déjà arrêté. Donc, on a fait une médaille, j'en ai apporté une, que j'aurai le plaisir de vous remettre tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le trésorier payeur général, pour ce propos qui montre votre attachement profond à ce métier de comptable public. Vous nous avez dit qu'il est une affaire de famille en ce qui vous concerne, puisque votre père lui-même était comptable public. Votre propos m'a fait penser que j'aurais dû, et je vais corriger cet oubli, j'aurais dû préciser que Fondafip est honoré de compter parmi ses partenaires l'Association française de cautionnement mutuel des comptables publics que vous présidez. Et nous avons été honorés par ailleurs de co-organiser avec vous l'année dernière au Conseil économique et social en France un colloque qui portait sur gestion de l'argent public, quelle responsabilité. Donc nous avons entamé cette réflexion qui reste à poursuivre, et je signale pour tous ceux qui seraient intéressés que les contributions à ce colloque vont être publiées dans le prochain numéro de la Revue française de finances publiques qui sort en septembre prochain. Vous y retrouverez la plume de M. Guichetot, qui notamment figure parmi les allocutions d'ouverture. Merci beaucoup pour ce propos qui notamment montre que le comptable public est en première ligne des évolutions contemporaines. Il a toujours été en première ligne. Hier soir, nous dînions ensemble avec M. Guichetot et M. Prada. Et M. Guichetot et M. Prada, qui sont des connaisseurs anciens de la comptabilité publique, m'ont expliqué que les comptables publics autrefois avaient un pistolet, un revolver, en permanence sur eux, et qu'il fallait qu'ils protègent la caisse à tout prix, le trésor public, bien sûr. Donc, merci pour cette contribution. Donc, nous allons maintenant entendre M. Guiry, directeur de la recherche de la réglementation et de la coopération internationale, de la TGR, qui va livrer un plaidoyer pour une réécriture de l'histoire de la comptabilité de l'État au Maroc. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vous l'avez bien compris, donc il s'agit de la Trésorerie générale et de la comptabilité publique d'hier à aujourd'hui. Ma contribution va porter sur hier, donc c'est pour rappeler un petit peu le passé, pour tisser des liens avec le présent, pour bien préparer l'avenir. Aussi riche et profonde qu'elle soit, l'historiographie nationale n'a pas suffisamment mis en évidence le savoir-faire comptable développé à travers les âges. Cette absence de lumière sur la dimension historique de la comptabilité de l'État peut s'expliquer par la complexité de la science des chiffres, par la technicité de l'objet comptable et la confidentialité qui a toujours entouré les comptes de l'État. Mais est-ce à dire pour autant que la comptabilité en général et la comptabilité de l'État en particulier n'ont vraiment pas d'histoire au Maroc et que le phénomène comptable est né d'un passé somme toute assez récent? Je demeure convaincu que tant de civilisations ne sauraient avoir pu s'étendre et prospérer au Maroc sans des règles comptables à même de permettre la transcription de l'information financière et de connaître ce qu'est ou ne l'est pas d'ailleurs la fortune publique. Pour confirmer ou infirmer une telle hypothèse, et pour la commodité de l'exposé et le respect du temps qui m'est imparti, je me limiterai à essayer de répondre à deux questionnements majeurs qui constituent, de mon point de vue, des éléments d'appréciation de l'absence ou de l'existence d'un système de comptabilité publique. Le premier questionnement consiste à savoir si les dynasties au Maroc disposaient de par l'histoire de corps de comptables publics, fonction sans laquelle on ne peut véritablement parler de système comptable de l'État. M. Talbi, tout à l'heure, a parlé d'un pilier qui est la profession comptable. Sur ce premier aspect, au moins, je ne pense pas m'efforcer pour valider l'hypothèse de départ, car l'histoire du Maroc regorge d'informations attestant de l'existence d'une profession comptable savamment organisée. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Je vous renvoie donc aux travaux de mes collègues rassemblés dans le spécial Khazina qui vous a été remis dans le cadre du kit documentaire de cette demi-journée, mais je préciserai tout de même que dans un pays aussi vaste que l'était le Maroc, notamment du temps des empires,
le corps des comptables publics s'étendait ou rétrécissait selon le degré de maîtrise du territoire par le pouvoir politique en place. J'ajouterai à cela qu'à côté des comptables deniers, une bonne partie des comptables publics étaient des comptables matières, pour des raisons liées notamment à l'omniprésence des biens dans la consistance de la fortune de l'État et à la prépondérance du paiement en nature des impôts et taxes. Je compléterai mon propos en soulignant que sous certaines dynasties, il existait un tel foisonnement de catégories de comptables publics répartis par milieu rural ou urbain, par type d'impôt religieux ou temporel, par type de magasin ou de dépôt de biens publics et par catégorie de dépenses, qu'il est parfois difficile d'en déceler aisément le fonctionnement. À ce corps multiforme de comptables publics se greffaient les comptables de l'armée, qui avaient la charge de compter la solde des militaires, de faire la revue des troupes et de composer les états de paix de l'effectif militaire mobilisé. Il est aussi étonnant de voir surgir de ces différentes époques l'équivalent de comptable public pour l'étranger, à qui l'on confiait lors de missions diplomatiques temporaires ou pour les besoins d'expéditions militaires ou encore, à raison du cortège annuel des pèlerins, la gestion des fonds nécessaires à ces missions, moyennant justification au retour. C'est dire par conséquent que le premier pilier d'un système comptable, en l'occurrence un corps suffisamment organisé de comptables publics, a toujours existé sous les différents règnes que le Maroc a connus. Comment d'ailleurs dénier à notre passé historique l'existence de comptables publics lorsqu'on sait que l'histoire elle-même nous en rapporte une multitude de noms, toutes dynasties confondues ayant exercé ses fonctions. Ainsi, et à titre d'illustration, je citerai quelques personnalités éminentes issues du monde des comptables publics, telles que l'historien et diplomate notoire du XVIIIe siècle, Aboul Qasem Zayani, 1734-1833, auteur de la grande description du monde en terre et en mer. C'est le cas également du grand historien Ahmed ibn Khalid Nasseri, 1835-1897, dont l'ouvrage est incontournable pour connaître l'histoire du Maroc, c'est l'Istiqsaf et Akhbar al-Maghrib al-Aqsa. Il en est de même de l'éminent diplomate Al-Hajj Ahmed Ahardan, ayant exercé les fonctions de trésorier de l'Empire chérifien sous le règne du sultan alaouite Mohammed bin Abdullah, 1757-1790, qui a représenté l'État chérifien à Marseille et qui était en même temps chargé d'affaires pour Londres, Naples et Gibraltar. C'en était en outre le cas du grand savant et érudit, le juge Abu Abdullah, chargé de superviser les caisses du trésor public sous le khalifa Yusuf ibn Abdul Mumin, sous la dynastie Al-Muhad. Comment pouvoir continuer à être dubitatif sur l'existence historique de comptables publics lorsqu'on sait que pour établir l'impôt du haraj ou l'impôt foncier, le sultan Al-Muhad Abdul Mumin ibn Ali avait ordonné d'arpenter le territoire de l'Empire depuis Barka en Libye jusqu'à Ouadnoun, dans le Sousse du Maroc, pour soumettre toutes les terres conquises à l'impôt foncier. Une entreprise qui n'aurait certainement pas pu être menée en l'absence de comptables publics dédiés et d'une comptabilité appropriée pour les besoins de l'époque. Comment, malgré tout, continuer à refuser à l'histoire nationale une présence séculaire de comptables publics lorsqu'on a la certitude qu'un impôt comme la taxe urbaine existait au Maroc au niveau des grandes villes plus de 600 ans avant l'acte d'Algésiras, qui n'a en fait fait que rétablir cet impôt, sachant qu'une telle taxe ne pouvait être ni assise ni collectée en l'absence d'un corps de comptables publics. Le deuxième questionnement nous amène forcément à nous interroger s'il se dégage des différentes époques historiques du Maroc des indicateurs de confirmation ou d'infirmation d'un système comptable couvrant les dimensions de tenue de la comptabilité, de responsabilité comptable, de centralisation, de contrôle et de reddition des comptes. Pour ce qui est de la tenue de la comptabilité de l'État, je me contenterai à souligner tout d'abord que les règles et usages comptables de l'époque imposaient aux comptables publics l'obligation de compter, de tenir registre de leurs opérations, d'appuyer leurs comptes de pièces probantes et de rendre compte de leurs opérations au pouvoir central. Dans le même sillage, les documents comptables transmis au pouvoir central laissent généralement apparaître, à travers le caractère esthétique de leur écriture, qu'ils étaient écrits et réécrits par les comptables ou leurs scribes, renvoyant ainsi à l'existence d'une pratique de brouillon comptable, de journaux de première écriture ou de documents préparatoires aux documents comptables définitifs. Les registres et documents comptables comportaient des éléments chiffrés, des données narratives,
des préambules et des mentions marginales, insignifiantes certes du point de vue comptable, mais qui explicitent le lieu, le contexte, là où les monnaies de compte et le cadre économique et social de réalisation des opérations. Cette manière de transcrire les opérations renvoie à l'existence d'un certain espace de liberté des comptables publics pour aller parfois au-delà de ce qu'un document comptable doit contenir et d'un autre d'une normalisation des documents comptables plus ou moins relative. Par ailleurs, et vu l'importance des registres comptables en termes de responsabilité financière, les comptables publics étaient astreints, durant certaines périodes de l'histoire nationale, à recourir à la règle de double signature des documents comptables, à la preuve testimoniale et même à l'utilisation de sceaux d'authentification dont ils étaient dotés. C'est dire donc que durant les différentes époques de l'histoire nationale, le pouvoir central était en mesure, grâce à la transcription par les comptables publics des rentrées et des sorties de fonds de leur caisse, de connaître régulièrement les réserves financières dont ils pouvaient disposer pour gérer les affaires publiques. J'en veux pour preuve tangible ce que disait Ibn Khaldun, grand historien du monde musulman, dans ses prolégomènes à propos de la dynastie mérinite dont il était contemporain et pour laquelle il a même exercé. Je cite, « Sous la dynastie des mérinites, la comptabilité de l'impôt foncier et de la solde militaire se trouve réunie entre les mains d'un seul administrateur. Tous les comptes publics passent par ses bureaux pour être soumis à son examen et recevoir son approbation, mais ces décisions doivent être contrôlées par le sultan ou par le vizir. Sa signature est nécessaire pour la validité des comptes fournis par les payeurs militaires et par les percepteurs de l'impôt foncier. » Fin de citation. Il n'en demeure pas moins toutefois qu'en dépit de l'existence d'usages comptables subtils et si avancés pour les époques considérées, les règles de tenue de la comptabilité n'avaient pas toujours, bien entendu, été observées. Il suffisait en effet que les dispositifs de contrôle s'estampent pour que les fonds collectés ne soient que partiellement versés et que les comptes publics soient tardivement ou pas du tout rendus. En ce qui concerne la centralisation comptable et la reddition des comptes, considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant le socle de tout système comptable, il est évident que ni l'état des routes de l'époque, ni les considérations liées à l'insécurité du territoire et à la difficulté du transport de fonds et de transmission des registres comptables ne pouvaient favoriser une centralisation comptable au sens moderne du terme. Toutefois, l'histoire financière nationale fait surgir de certaines époques des règles d'organisation et de fonctionnement du trésor public motivé par le souci du pouvoir central de connaître régulièrement la situation financière de l'État. Une telle volonté est liée à l'organisation même du trésor public qui, au gré des époques et de l'étendue du territoire, était souvent articulée autour d'un trésor public central implanté dans la ville capitale du règne, relayé par des antennes du trésor dénommées Al-Qaws au niveau des autres villes capitales, Marrakech, Tanger, Meknès, etc. Cette organisation du trésor public permettait aux différents comptables publics d'effectuer auprès de leurs caisses respectives les recettes et les dépenses de l'État et d'en verser régulièrement les excédents, l'OFR, au trésor public central qu'on pourrait qualifier de sorte de trésor de l'épargne puisqu'il n'enregistrait que l'excédent des caisses publiques des comptables publics. Ainsi, et à défaut d'une véritable centralisation comptable et tout incomplet qu'il était, le dispositif en vigueur permettait au moins une centralisation des soldes existants auprès des différentes caisses des comptables publics de l'époque. S'agissant de la responsabilité qui incombait aux comptables publics, j'évoquerai tout d'abord l'existence sous certaines dynasties de corps plus ou moins organisés, de préposés ou d'inspecteurs appelés Oumana al-Khsibar, chargés de parcourir le territoire pour y rechercher les abus d'ordre financier, mettre de l'ordre dans la tenue de la comptabilité et en sanctionner les manquements. Ils étaient même investis de la fonction de contrôle des ouvrages, construction et aménagement public et du droit de sanctionner parfois sur le champ les manutenteurs de deniers publics ou de biens publics. Ces préposés au contrôle disposaient même parfois du droit de contrainte par corps à l'égard des contrevenants. Sous certaines dynasties d'ailleurs, les sanctions pour malversation ou abus financiers pouvait aller jusqu'au bannissement, dont l'histoire de la dynastie Al-Muhad notamment regorge d'exemples. Mais la sanction la plus courante durant l'histoire financière nationale demeure sans conteste la confiscation des fonds et des biens des personnes convaincues d'abus financiers et leur versement au trésor public, à telle enseigne
que les confiscations ont constitué, durant certaines périodes de l'histoire marocaine, l'une des principales ressources financières de l'État. Mais d'aucuns pourraient dire toutefois que l'on ne peut reconnaître à l'histoire financière nationale les piliers fondamentaux d'un système comptable en l'absence d'un corpus réglementaire devant régir les différents aspects de tenue de la comptabilité, de centralisation, de contrôle et de reddition des comptes. Certes, les premiers textes d'organisation financière et comptable n'ont commencé à voir le jour qu'à partir de la fin du XIXe siècle, dont je citerai à titre d'illustration le Dahir du 31 mars 1862 sur l'organisation douanière et le règlement douanier qui s'en est suivi, ainsi que les différents Dahirs ayant institué le tertib, donc l'impôt agricole marocain, et qui édictait toute la règle d'organisation et de fonctionnement de son recouvrement et de sa comptabilité. Il n'en demeure pas moins cependant que l'organisation comptable de l'époque procédait d'abord de règles inspirées du droit religieux et de la jurisprudence développées tout au long de l'histoire de la civilisation musulmane. Ces règles étaient enrichies selon les époques par une accumulation de pratiques et d'usages endémiques des maisons de commerce dont la majorité des comptables publics étaient d'ailleurs issus. Les dites règles étaient en plus valorisées au fil des périodes historiques à travers les apports générés par le contact avec d'autres civilisations auxquelles le Maroc a toujours été ouvert, ainsi que par le rôle prépondérant de certains souverains réformateurs. L'évolution du cortège des règles d'organisation comptable de l'État était également le fait de l'ingéniosité des comptables publics eux-mêmes, à raison de leur forte capacité d'adaptation à l'évolution régulière des systèmes fiscaux, des modèles de gestion de la dépense et des changements affectant les monnaies de compte. À cela, il faut ajouter que les lettres, les ordres royaux et les échanges permanents d'une correspondance assez fournie entre les souverains et les comptables publics constituaient la source juridique officielle et le faire-valoir formel de la réglementation comptable à travers l'histoire nationale. Elles édictaient les règles d'usage à observer, les interdits à éviter et les instructions que tous les comptables publics étaient théoriquement tenus de respecter. Les ordres royaux brassaient tous les aspects de la gestion financière et comptable, allant de la détermination de l'époque de paiement des impôts au mode de leur acquittement jusqu'à la fixation des taux des frais, de la rémunération à prélever, en passant par les modalités de leur transcription comptable et de versement au trésor public. Les règles et pratiques d'organisation financière et comptable issues des différentes époques historiques ont d'ailleurs permis de développer une sorte de discours comptable assez bien structuré. Ce langage comptable est articulé autour d'une réserve terminologique consistante et tout à fait endémique au Maroc, qui évoque les mots de l'époque pour dire le droit financier et comptable, transcrire les recettes, enregistrer les dépenses, dégager les soldes et donner une valeur aux biens de l'État, contribuant de la sorte à une meilleure connaissance du cadre de vie économique et social de l'époque, de chacune des époques considérées. Il demeure entendu toutefois qu'à l'image des dynasties elles-mêmes, les règles d'organisation comptable se sont développées lorsque celles-ci s'illustraient et rayonnaient. Elles ont rompu et cédé en temps de décadence sous le poids des conflits des interrègnes, des guerres de succession dynastique et des crises financières cycliques ayant marqué l'histoire du Maroc. Il est à regretter également que l'histoire nationale de la comptabilité se soit construite par à-coups successifs avec des interruptions parfois assez longues, préjudiciables à une construction d'ensemble qui aurait pu nous révéler un système comptable beaucoup plus abouti et plus cohérent dans toute sa membrure. Pour conclure, mesdames et messieurs, j'espère avoir été convaincant au moins sur un point, celui de la nécessité de travaux de recherche beaucoup plus approfondis pour sortir la mémoire de notre histoire comptable d'un oubli coupable dans lequel on l'a mal à propos relégué. En effet, tout incomplète qu'elle puisse se révéler, les règles de la comptabilité de l'État durant toutes les phases de l'histoire nationale avait tout de même contribué à garantir l'intangibilité des caisses publiques et à sauvegarder l'ordre public financier tel qu'il était tracé par le pouvoir public en place, une portée qu'on ne saurait méconnaître au génie de l'époque. Car, et pour paraphraser un historien de la comptabilité publique, la comptabilité dans son application aux finances de l'État exerce une grande influence sur la prospérité publique. Les plus belles théories des finances se résoudraient à rien sans un système de comptabilité sagement coordonné. C'est dire que tout n'est pas à répudier dans notre passé et qu'en agissant avec trop de dédain à l'égard de notre histoire, l'on ne peut que desservir le présent et le devenir de nos finances publiques. Il nous appartient par conséquent à tous de faire revivre notre patrimoine comptable
pour construire le présent de nos finances publiques et en tracer l'avenir sans discontinuité aucune. Faisons donc en ce que le centenaire de la Trésorerie générale du Royaume et de la comptabilité publique soit avant tout une opportunité pour rendre hommage à ce corps discret, mais ô combien utile et valeureux pour nos finances publiques. Je vise bien entendu le corps des comptables publics de tous bords, dont une bonne partie des membres sont parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Guiry, pour ce brillant exposé sur le patrimoine historique qui est celui du Maroc en matière de comptabilité publique. Vous nous avez convaincu que le Maroc a un riche patrimoine en la matière. Je voudrais rappeler à cette occasion que, puisque vous appelez de vos voeux que l'on sorte de l'oubli certains aspects de ce patrimoine, en particulier qui concerne les comptabilités publiques, je voudrais rappeler que vous avez été un artisan extrêmement actif, voire décisif, pour que ce musée de la comptabilité publique soit installé dans les locaux de la Trésorerie générale du Royaume du Maroc. Et permettez-moi de vous redire mes félicitations à ce sujet, parce que un patrimoine, c'est la mémoire d'une société. Et donc, vous œuvrez, et la TGR œuvre à la fois pour les générations actuelles, mais les générations futures qui connaîtront ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. Merci pour tout, M. Guiry, pour cet exposé, et aussi pour le reste, pour ce que vous avez fait pour sortir ce patrimoine et le rendre visible à nos yeux. Je vais passer maintenant la parole à notre dernière intervenante, et dont je remercie la patience d'avoir attendu jusqu'à présent, Karine Rioux, doctorante en droit public, qui est chargée de mission à Fondafip, et qui va parler des relations entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Merci, Madame la Présidente. Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs du colloque, le ministère de l'Économie et des Finances du Maroc, donc avec la TGR ainsi que Fondafip, pour m'avoir convié à intervenir, qui plus est pour ce centenaire de votre Trésorerie générale du Royaume. Et je voulais également adresser mes plus vifs remerciements aux membres de la Trésorerie qui sont toujours attentifs et qui procèdent à l'organisation de ces différents colloques à Rabat. Donc je vais aller à l'essentiel de mon propos, étant donné le temps contraint. À partir de la question à laquelle il m'a été demandé de répondre aujourd'hui, à savoir la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale, quelle relation, je formulerai tour à tour deux observations, puis deux préconisations, me cantonnant à évoquer le système financier de l'État en France, et bien qu'un certain nombre d'éléments seraient en toute hypothèse, c'est-à-dire pour d'autres secteurs financiers dans la même configuration, valables. À titre d'observation, la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale apparaissent distinctes mais complémentaires, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Habar. Et ensuite, déduit à partir de ces deux observations, il convient assez logiquement, et ce sont mes préconisations, de les articuler techniquement et de les réconcilier en quelque sorte dans l'attention à tout le moins égale qui devrait y être portée, et plus particulièrement par nos décideurs publics. Premier point, la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale se distinguent. La comptabilité budgétaire est ancienne, je parle pour la France, comme pour un certain nombre de pays, pardon d'ailleurs. La comptabilité générale au niveau de l'État est certifiée en l'occurrence par la Cour des comptes, c'est là où je voulais en venir, a quant à elle été introduite par la LOLF, afin, pour reprendre les propos du Sénat de l'époque, de redonner sens aux lois de finances par l'instauration d'un vrai système comptable. Le choix a alors été fait de conserver une comptabilité budgétaire sur l'ensemble du cycle budgétaire, c'est-à-dire de la loi de finances initiale à la loi de règlement, comptabilité budgétaire enrichie de nouveaux outils comme les autorisations d'engagement, et d'y adjoindre parallèlement une comptabilité générale. À partir de 2006, donc, coexiste pleinement une comptabilité budgétaire, c'est-à-dire, pour rappel, un système comptable qui enregistre les recettes et dépenses au moment où elles sont encaissées ou décaissées, peu importe en l'occurrence le moment du fait générateur, autrement dit le moment où naît l'obligation, et une comptabilité but d'exercice, c'est-à-dire un système comptable qui quant à lui enregistre les opérations au moment où les droits, créances et dettes, sont quant à eux créés par un fait générateur, autrement dit dès la naissance de l'obligation. En l'occurrence, ces deux comptabilités répondent à des besoins spécifiques, on l'a déjà évoqué aujourd'hui. La comptabilité budgétaire est conçue comme un outil de pilotage permettant de notamment de veiller à la soutenabilité budgétaire,
tandis que la comptabilité générale retrace les mouvements qui affectent le patrimoine de l'État, en l'occurrence son résultat et sa situation financière. Ces deux comptabilités sont autonomes l'une de l'autre. Et dès lors que ces deux comptabilités n'ont pas la même fonction, un certain nombre d'éléments vont les distinguer. Le premier d'entre eux, leurs règles de fonctionnement, conformément aux définitions précédemment données, et je reviendrai sur quelques exemples par la suite. Leurs normes de référence également, pour la comptabilité budgétaire, les référentiels sont les enveloppes budgétaires. Pour la comptabilité d'exercice, c'est le plan comptable. Et troisièmement, leurs résultats les distinguent, leurs résultats sur l'exercice, puisque pour la comptabilité budgétaire, on va raisonner en termes de solde budgétaire, différence entre recettes et dépenses budgétaires, et pour la comptabilité générale, on va raisonner en solde patrimonial, c'est-à-dire différence entre produits et charges. Je vais assez vite. Une logique distincte donc pour ces deux comptabilités qui se traduit dans les résultats eux-mêmes, puisqu'en 2016, on relève que le déficit budgétaire de l'État en comptabilité budgétaire donc était de 69,1 milliards d'euros, je parle pour la France, et son déficit patrimonial en comptabilité générale était de 75,6 milliards d'euros. Et pourtant, en dépit, ou justement peut-être en raison de leurs différences, ces deux comptabilités se complètent. Puisque, comme le mentionne la Cour des comptes dans son rapport « La comptabilité générale de l'État » 10 ans après de février 2016, avec le recul, la réforme comptable issue de la LOLF a pu s'analyser non comme une remise en cause des composantes existantes du système comptable de l'État, mais plutôt comme une extension de celui-ci grâce à la mise en place d'une nouvelle comptabilité, et en l'occurrence donc la comptabilité générale. Plus encore, étant donné leurs visées distinctes, dont découlent également des informations différentes, identifiées en fonction d'un référentiel propre pour chacune d'entre elles, et comme je le mentionnais précédemment, la comptabilité générale est venue compléter la comptabilité budgétaire. D'un côté, la comptabilité budgétaire s'appréhende en quelque sorte comme le budget d'un ménage. Elle donne le montant de la trésorerie disponible, mais ne donne pas d'informations sur la réalité de la situation financière de l'entité, comprenant par exemple le niveau du patrimoine et le montant de ses dettes. D'un autre côté, la comptabilité générale a une approche patrimoniale, avec le compte de résultat qui va retracer les flux dettes et créances, et le bilan qui va donner le passif, dette fournisseur par exemple, dette financière, et l'actif, actif immobilier, immatériel ou participation financière du patrimoine de l'entité publique en l'occurrence. Si la comptabilité budgétaire est pour les non ou peu initiés d'appréhension évidemment plus facile, la comptabilité générale, quant à elle, est un outil d'aide à la décision et de contrôle, on l'a évoqué ce matin, en délivrant notamment des informations précieuses sur les capacités financières globales de l'État en l'occurrence. Et d'ailleurs, la Cour des comptes souligne cet apport sur la cet apport de la comptabilité générale dans son rapport que j'évoquais de février 2016 sur la transparence sur les risques et les engagements de l'État. Ainsi, l'autonomie des deux comptabilités, donc budgétaire et générale, que j'évoque, permet de disposer d'informations financières complémentaires, mais cette autonomie nécessite également de veiller à leur bonne articulation. D'autant que la Cour des comptes, dans le rapport précité, fait observer que loin de coexister indépendamment les unes des autres, les différentes comptabilités tenues par l'État entretiennent des liens étroits. Et notamment l'introduction de la comptabilité générale a eu des effets favorables sur la tenue de la comptabilité budgétaire. Et pour illustrer ce propos, la Cour des comptes mentionne que les charges à payer, les autres dettes non financières, les charges constatées d'avance et les produits à recevoir constituent des indicateurs utiles, en particulier de la soutenabilité financière de court terme. Par exemple, une hausse excessive des charges à payer peut alerter sur la nécessité d'apurer les factures en attente, comme ce fut le cas pour les frais de justice en France en 2012. À partir donc de ce constat de complémentarité dans l'autonomie néanmoins de chacune des comptabilités, ces dernières doivent être techniquement donc et réciproquement articulées. C'est mon troisième et avant-dernier point. D'ailleurs, les comptabilités budgétaires et générales de l'État en France sont établies à partir du même système d'information Corus, qui procède à un traitement intégré des données budgétaires et comptables. Pour autant, les opérations ne sont pas traitées de la même façon. Et c'est ce qui explique les montants différents qu'on a constatés au niveau du solde budgétaire et du solde patrimonial évoqués précédemment. Le rapport de présentation 2016, annexé au projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes, apporte quelques éléments de réponse pour expliquer cette différence. Des éléments de réponse qui, naturellement, ne valent pas que pour 2016.
Donc je ne serai pas exhaustive, mais on peut mentionner par exemple, pour expliquer la différence entre le solde budgétaire et le solde patrimonial, que certaines opérations budgétaires vont être retracées en comptabilité générale au bilan, mais ne vont pas avoir d'impact sur le résultat patrimonial. Par exemple, les dépenses d'acquisition d'immobilisation incorporelle ou corporelle, ou les dépenses de participation financière. D'autres opérations strictement comptables, quant à elles, ont un impact sur le seul résultat comptable. Par exemple, des dépréciations comptabilisées pour constater la diminution de la valeur de certains actifs ou le risque de non-remboursement de créances, prêts et avances accordées par l'État, ou autrement, l'enregistrement d'un produit financier qui serait par exemple versé sous forme d'actions et non en numéraire. Enfin, certaines opérations peuvent être prises en compte dans les deux résultats, donc budgétaires et comptables, mais selon des faits générateurs différents. Par exemple, on va observer un décalage sur les recettes entre le moment de leur constatation via l'émission d'un rôle et le moment de leur recouvrement. Ou vis-à-vis cette fois de dépenses entre l'émission et donc la comptabilisation de la facture en comptabilité générale et son paiement décaissé plus tard en comptabilité budgétaire. Malgré donc ces différences qui tiennent à la nature distincte, à l'objet distinct également des deux comptabilités, donc des règles auxquelles elles répondent, on l'a dit, elles coexistent et elles sont complémentaires. Il convient donc de garantir au mieux leur cohérence, au moyen, entre autres, des systèmes d'information qui vont permettre une alimentation des comptabilités automatisées et réciproques, des règles qui encadrent ces objets de gestion que j'évoquais, qui peuvent avoir un impact soit sur les deux comptabilités à partir d'un même point d'entrée ou seulement sur l'une d'entre elles, comme nous l'avons vu, mais également via le tableau de passage du solde budgétaire au résultat patrimonial, au cours desquelles les opérations sans impact sur le solde budgétaire sont retraitées, les opérations sans impact sur le solde comptable vont être neutralisées et les différences de faits générateurs donc qui entraînent des écarts temporels sont neutralisées. C'est pourquoi la Cour des comptes préconise que dès que c'est possible, il faut articuler les concepts budgétaires et comptables, puisqu'elle observe d'ailleurs pour un même objet, un même concept, des appréciations différentes entre les directions financières, en l'occurrence la direction du budget, et la DGFiP. Pour autant, la Cour des comptes ne préconise pas un alignement des deux comptabilités pour mettre en place une budgétisation intégrale en droit constaté, qui avait d'ailleurs été écartée lors de la discussion de la LOLF en 2001 et qui est également peu répandue dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Et au-delà de ces aspects techniques, la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale, je le disais, doivent être réconciliées du point de vue de leur utilisation. Et ce sera mon dernier point. Puisqu'en effet, donc, on observe que si en premier lieu la comptabilité générale était destinée à renforcer la sincérité du budget, elle y est parvenue. Elle a amélioré même la fiabilité de la comptabilité budgétaire. Par contre, à l'inverse, les observateurs s'accordent pour reconnaître que son influence sur les processus de budgétisation reste très limitée. Il se produit d'ailleurs le même phénomène dans d'autres États, comme le fait remarquer la Cour des comptes, dans d'autres États qui se sont munis d'une comptabilité en droit constaté. Et pour étendre cette problématique au secteur financier autre que l'État, en préparant cette intervention, je me suis souvenu que Marie-Christine Béranger, qui est chef du service comptable au sein de la Direction des finances et des achats de la ville de Paris, dans une contribution à un colloque qui s'était tenu à Paris le 10 mai dernier sur les ordonnateurs et les comptables, nous avait fait part de la persistance au sein de ces services, et donc en l'occurrence des services d'une collectivité territoriale, d'un problème d'acculturation à la comptabilité générale. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Cour des comptes évoque donc une comptabilité qui n'a pas trouvé sa place, à l'inverse de la comptabilité budgétaire qui continue à structurer tout le processus budgétaire, qui fait l'objet donc d'une attention permanente des gestionnaires publics et qui constitue encore cette comptabilité budgétaire le cadre de référence des discussions entre les ministères gestionnaires et les administrations financières et en particulier la direction du budget. Mais par ailleurs, la Cour des comptes le mentionne également, la comptabilité générale n'est pas devenue non plus le support du dialogue permanent entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En témoigne d'ailleurs pour une certaine part, M. Habar l'a rappelé ce matin, j'avais eu l'occasion de l'évoquer lors du colloque de septembre dernier, le rendez-vous manqué que peut constituer le vote de la loi de règlement donc en France, pour ce qui me concerne, et alors même que l'introduction de la comptabilité générale aurait dû contribuer à revaloriser ce temps budgétaire par sa restitution lors du dépôt de cette loi de finances. Et c'est vrai que si on écoute ce qui se dit dans le débat public et même politique à cette période de l'année, on entend parler au mieux des réserves
qui sont formulées par le certificateur, mais certainement pas de la situation financière de l'État. Par conséquent, la comptabilité budgétaire conserve bien toute sa prééminence, malgré la mise en place de la comptabilité générale et de ses apports indéniables. Et c'est pourquoi j'évoquais cette nécessité de réconcilier désormais ces deux comptabilités du point de vue d'utilisation qui peut en être faite par l'ensemble des acteurs publics, et même au-delà par les créanciers de l'État ou les agences de notation qui ne l'appréhendent pas non plus pleinement dans l'évaluation du risque de crédit. Et conformément aux objectifs distincts qu'on assigne à chacune de ces deux comptabilités qui, sans entrer en compétition, devraient parvenir à terme, enfin, je l'espère, à se compléter mutuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine, pour cet exposé qui met bien en relation, en évidence les relations, quelquefois non pas difficiles, mais insuffisantes, entre les deux comptabilités. Et votre propos sur la sous-utilisation de la comptabilité générale par les responsables, le fait que la comptabilité générale n'est pas utilisée comme un outil d'aide à la décision, m'a fait penser à un colloque qui a été organisé en juin 2016 au Sénat à Paris, à l'initiative de la Cour des comptes, et Fondafip participait à la co-organisation de ce colloque. Nous avons publié, c'était un colloque qui était consacré à la comptabilité générale de l'État, bilan de l'apport de la comptabilité générale de l'État 10 ans après. Et donc c'est lors de ce colloque, les responsables administratifs, un certain nombre d'ordonnateurs notamment, ont dit qu'ils n'utilisaient pas les informations de la comptabilité générale pour la décision. Monsieur Prada, vous voulez dire, ajouter un mot sur le sujet ? Non, je réagis sur ce que vous venez de dire parce que je pense que c'est un débat très difficile et nous sommes tout à fait au début de la réflexion sur ces sujets-là. J'évoquais tout à l'heure les prolongements que nous avions sur le cadre conceptuel. Quand vous êtes dans une entreprise, le directeur des ressources humaines ou le directeur commercial ne s'occupe pas de la comptabilité générale. Comptabilité générale, ça intéresse le directeur de la comptabilité, le directeur financier, le conseil d'administration, le président, les actionnaires. Le problème qu'on a avec l'État est un peu le même, c'est-à-dire que si vous êtes directeur des routes, la comptabilité générale de l'État ne vous apporte pas nécessairement les données que vous voudriez utiliser. Et pourtant, si dans les années 60, lorsque la France s'est engagée dans un programme considérable de construction d'universités, on avait inscrit à l'actif du bilan de l'État la valeur de ces universités, et si on avait calculé les dotations aux amortissements, et si on s'en était servi pour essayer de déterminer la politique budgétaire d'entretien des universités, est-ce qu'on aurait connu la même catastrophe que celle que nous avons connue, qui a consisté à ne pas les entretenir ? Donc moi, je crois qu'il y a une dynamique à créer entre comptabilité générale et budget pour trouver dans la comptabilité générale des données qui permettent d'éclairer la décision budgétaire. Et c'est un enjeu très difficile, mais je crois qu'il y a une véritable richesse dans la comptabilité générale que nous n'avons pas véritablement commencé d'utiliser. Il est incontestable qu'on ait une grande richesse dans la comptabilité générale et qu'il n'est pas moins contestable qu'elle est sous-utilisée dans le processus de gestion publique. Vous avez tout à fait raison de rappeler le drame des universités dans le cas français. Merci beaucoup pour la précision complémentaire et merci à Karine Rioux. Je remercie tous nos intervenants pour nous avoir si brillamment éclairés sur le sujet. Grâce à leur discipline, nous avons un petit peu de temps pour prendre 2-3 questions de la salle. Donc, je demande à ceux ou celles qui souhaiteraient intervenir de bien vouloir se présenter et de poser rapidement une question de manière à ce que nous puissions permettre au maximum de personnes de poser une question. Tout le monde a faim, donc peut-être que... pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, et on peut comprendre que nous sommes très informés. Hein. Le moment est venu donc de remercier d'abord la TGR pour cette belle initiative, à la fois mémorielle et stratégique, parce qu'on pense l'avenir, hein, et on pense les problèmes qu'il faut régler pour demain, tout en se rappelant du passé. Donc remercier
vraiment la TGR du fond du cœur, ainsi que ses équipes. Remercier nos intervenants qui n'ont pas ménagé leur peine pour nous livrer des réflexions riches et qui nous éclairent véritablement. Je remercie l'assistance, toujours nombreuse. Je voudrais aussi associer à ces remerciements les personnels de la TGR que nous avons aperçus sur les écrans, qui suivent chaque fois les événements de la TGR en visioconférence. Et chaque fois, je suis émerveillée de voir qu'il y a cette écoute, ce suivi attentif de tous les personnels de la TGR, y compris dans les régions les plus loin. Oujda, c'est loin. Béni Mellal, c'est pas à côté. Donc, merci à tous pour avoir partagé ensemble ce moment. Je donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre en septembre, 15 septembre prochain, donc sur notre colloque. Je ne dis pas le thème parce que je ne sais pas s'il a été... on ne le dit pas encore. Donc, ça sera une surprise. À bientôt. Merci à tous.